Bonsoir, bienvenue chers amis, chers abonnés Frascar et de NASCAR, bienvenue ce soir pour une interview spéciale NASCAR Wheel & Euro Series. Merci à tous d'être avec nous ce soir pour une interview de deux pilotes de NASCAR Wheel & Euro Series aujourd'hui, Lucas Lasserre et Paul Jouffreau de la Speedhouse Racing, c'est ça Racing à la fin. Ouais. Écurie de Lucas directement, qui est propriétaire de cette équipe. Et donc, nous allons pouvoir découvrir tout cela ensemble, savoir faire un petit tour de leur carrière, si vous connaissez moins, Lucas et Paul, et savoir les objectifs de cette saison, puisque voilà, on va retrouver Lucas qui sera en Elite 1 cette année, et Paul Jouffreau qui fait sa saison, du coup, Elite 2 en rookie. Il est issu de la Club Challenge, où il a fait 3e, donc très très prometteur, et il a fait donc une année seulement en NASCAR, il a découvert la voiture, donc ça va être plutôt intéressant d'échanger de tout ça ensemble, donc ça va être sympa, et puis voilà, n'hésitez pas les amis, vous qui nous regardez, à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et bien sûr, à interagir avec nous dans cette interview, avec Lucas, Paul, avec moi, voilà, n'hésitez pas à balancer vos idées, vos questions dans le chat, on se fera un plaisir d'y répondre. Donc voilà, alors ne faites pas attention à spécial Daytona en haut, ça n'a aucun rapport, c'est parce que je n'ai pas mis à jour l'overlay, hein, ne vous paniquez pas, voilà. Trop chargé en ce moment, donc on fait avec les moyens du bord, mais voilà, j'ai au moins mis les noms, c'est déjà ça. Voilà, donc merci à tous d'être avec nous, et puis n'hésitez pas aussi à m'informer si vous avez aussi des problèmes de diffusion, quels qu'ils soient, on ne sait jamais, que ce soit niveau son, vidéo, si pour vous tout est bon, n'hésitez pas à le dire aussi. Bah, Lucas, Paul, merci d'être avec moi ce soir. De rien. Bah, enchanté. C'est la première interview de NASCAR Wheel & Euro Series que je fais. Je n'ai jamais fait d'interview de NASCAR Wheel & Euro Series. J'ai fait un peu Cup Series, Xfinity, Truck, etc. Mais jamais Wheel & Euro Series. Ça me tenait beaucoup à cœur en plus puisque j'étais déjà venu à Tours en 2018 pour voir du coup, la dernière course qui a eu lieu en France, malheureusement. Et puis voilà, après ça s'est arrêté et voilà, je tenais vraiment que, et j'avais vu les performances de Lucas, on en a parlé un peu en off avant, et ça m'avait beaucoup impressionné, Lucas qui est toujours sur le devant de la scène alors que c'est une voiture préparée par tes soins. Ouais, comment dire, j'ai toujours été passionné en fait par la technique, donc c'est vrai que j'avais un rôle qui était peut-être un peu différent, même bien différent en fait de la plupart des pilotes contre lesquels je me bats ou des équipes structurées des personnes à différents niveaux, donc du mécanicien ou de l'aide mécanicien, on va dire, jusqu'au propriétaire de l'équipe, en passant par un ingénieur ou un ingénieur data, et voilà, des mécaniciens confirmés. Mais voilà, on était souvent en fait avec une organisation qui était un peu plus légère. Voilà. D'accord. En tout cas, très intéressant et c'est assez impressionnant de toute façon. On va y revenir sur tes résultats que tu as pu faire en 2021. Je souhaite pour la suite qu'en 2022, ça soit la même chose, que tu arrives à performer toujours aussi fort. Tu seras sur toutes les courses ? Oui, je serai sur toutes les courses. Voilà, aujourd'hui, c'est pas encore, tout n'est pas encore, en ce qui me concerne, bien ficelé, mais oui, je devrais repartir normalement. Pour la saison, mais on sera organisé un peu différemment cette saison. D'ailleurs, à ce propos, j'en ai pas parlé en off, mais vous allez il y aura Eric Quintal aussi qui sera avec vous et Néo ouais. Lambert. Néo Lambert qui est un pilote de karting qui est très jeune, c'est ça? Ouais, en fait, il a Néo a 20 ans. 20 ans, okay, oui, plus vieux que Paul. Voilà, Néo, mais bon, Paul et Néo ils sont jeunes, Paul est un peu plus jeune, mais. Voilà, Néo va suivre en fait le même type de formation que ce que j'ai mis en place en fait avec Paul. Donc j'ai deux bons garçons en fait du Sud-Ouest qui seront amenés à jouer sur les deux prochaines années. Alors, Paul il a un an d'avance donc dans la formation, donc forcément c'est un peu différent, mais ils vont se retrouver en année 2, on va dire ensemble. D'accord, donc il n'y a pas de voiture, c'est un partage de volant, en fait.
Alors, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, bon, aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de, forcément, pas trop de secrets à avoir, mais en fait, je vais engager 4 voitures, et 4 voitures en 2022. Et donc, en fait, je suis en train de terminer, en train de poser les dernières pierres, en fait, au niveau des équipages. Voilà. Donc, chaque pilote enfin, la plupart des pilotes sont à des niveaux d'objectifs et de performances qui sont un peu différents. Et donc, j'ai fait très attention en fait, d'aspirer tout ça par le haut. Donc, bah forcément, je serai l'un des pilotes en fait qui aspirera en fait bah, un pilote comme Paul, puisque Paul, forcément, je vais le couver. Néo, je vais le couver. Eric Quintal, il a un besoin qui est un peu différent. Voilà, les autres pilotes, Arianna Casoli comment dire, que j'ai officialisé il y a quelques semaines, également nous rejoint. Donc, ce sera une des femmes en fait du championnat. Mais c'est pareil, en fait, elle est à un autre niveau, elle a d'autres types de besoins, et tout ça avec mes coéquipiers, on va encadrer ces pilotes-là comme il faut. D'accord, mais en tout cas, 4 voitures du coup. Ouais. Les numéros sont déjà fixés parce que du coup, il y a la 64, c'est ça? Ouais, alors ça, il y a un numéro qu'on va laisser parce que c'est Paul qui a la primeur. Il fait une présentation demain soir avec l'office de tourisme de Blaye, dont il est originaire. Et donc, c'est lui qui annoncera son numéro, mais D'accord. Secret. on va avoir une connotation sud-ouest. Voilà. Bah écoutez, c'est tout à votre honneur. Et bah en tout cas, 4 voitures à suivre. Mais donc, il y aura en élite 1, il n'y aura que toi. Non, en élite 1, aujourd'hui, je suis en discussion avec deux top pilotes en fait pour venir compléter l'équipage. C'est avancé, donc je croise les doigts. Je pensais avoir une réponse aujourd'hui, mais D'accord. voilà, ça prend toujours un peu plus de temps C'est en que ce cours de qu'on espère. construction. Ouais, Mais voilà, bon. c'est sur la finalisation, donc j'espère voilà, tant que c'est pas validé, signé, en fait, c'est Bien délicat, sûr. mais en fait, le but, c'est d'avoir aussi des pilotes très forts à mes côtés pour pouvoir, parce qu'en fait, comment dire, la speed house passe avant mon intérêt. L'intérêt de l'équipe passe bien avant en fait mon intérêt personnel. Donc, mon intérêt personnel aujourd'hui, c'est d'avoir deux top pilotes avec moi pour pouvoir en fait se battre pour chaque course pour la victoire. Et si je dois faire deux ou trois, je serai très heureux d'avoir mes coéquipiers, peut-être encore plus heureux d'avoir mes coéquipiers en fait devant à gagner. Donc, j'ai aucun problème là-dessus. Ce qui est vraiment important, c'est l'équipe. C'est que les pilotes se trouvent en fait vraiment comment dire, leur compte. Et donc, je suis très, très méticuleux en fait dans toute cette préparation-là. Alors oui, ça peut aujourd'hui 4 voitures, ça peut faire beaucoup. En fait, quand on dit le chiffre, on dit ouais, 4 voitures, ça va Bah, faire beaucoup. quatre En fait, voitures. Alors après, je voulais te poser la question. Du coup, c'est 4 voitures, oui, au total. Mais du coup, combien seraient déployés dans combien de dans quelle division en fait? T'auras. Bah, ça serait partout, hein, en pro, en Euronascar 2, et en revanche, en Club Challenge, je n'aurai uniquement en fait Néo Lambert. Voilà. D'accord. Et donc Néo Lambert, lui, serait en Club Challenge et Ouais. aussi en Elite 2 aussi en même temps ou plus tard? Non, il ferait peut-être une course en Élite 2, D'accord. mais voilà, ça c'est des choses qu'on garde en fait, que je garde sous le coude, mais c'est sûr, il fera une course. Voilà. D'accord. Bah, Le en tout cas, préparer c'est. pour la. D'accord, bah écoute. Très intéressant. Du coup, Paul, toi, tu arrives en Élite 2, C'est la cour des Granges, j'allais dire. Et tu vas être donc dans cette voiture que dont tu vas annoncer le numéro prochainement. Donc on va suivre ça avec attention. Ça va être très intéressant. Du coup, qu'est-ce que tu t'attends? Déjà, alors, je vais recommencer depuis le début. Je voulais commencer par ta carrière à toi, Paul. Puis après, on évoquera aussi la carrière de Lucas, parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur Lucas, les amis, je peux vous dire. Mais tu es issu du karting. Quel est ton parcours en karting globalement? J'ai commencé à 12 ans. En Trophée Follep Aquitaine. Donc j'ai commencé à rouler, j'ai fait mes premiers tours voilà, sur une ville d'à côté, s'il y a des Blayais à Étaulier, et ça s'est bien passé. Et en fait, c'est monté petit à petit. Et voilà, ma première saison de karting en compétition s'est bien passée, mais j'avais un problème, c'est que j'étais assez lourd. Donc en fait, sur un kart, quand on a du poids en trop, c'est compliqué de performer. D'accord. Et
Et en fait, ma vraie année de karting, c'est quand j'ai eu 13 ans, quand je suis monté dans un 400. Et en fait, là, j'ai commencé à me batailler, à comprendre ce que c'était la course, à comprendre qu'on ne voulait pas forcément que du bien aussi sur la piste. Parce que j'ai roulé directement avec des gens qui avaient 20 ans, 30 ans. Et après, voilà, 2016, 2017, apprentissage. 2018, j'ai gagné la Coupe de France dans ma catégorie. D'accord. En karting. Et donc là, on était super contents. On a vu que ça performait. Là, on a décidé d'aller taper dans du bon niveau en allant en Espagne. En Espagne, ça a été un peu retour dans les 22, à me confronter à beaucoup de difficultés sur... C'est pas le même pilotage qu'en France, c'est pas du tout les mêmes, la même optimisation. Je suis passé en fait, si tu veux, d'une compétition où on mettait un châssis tous les 3 ans, entre guillemets, à une compétition où ils mettaient un châssis tous les 2 courses. Donc c'était de suite un gros step et même dans la mentalité, je suis passé entre guillemets des trentenaires qui étaient là pour un peu flatter leur ego, à des gens qui jouaient les championnats du monde et les championnats d'Europe. Donc c'est vraiment un gros gap. Donc au début, ça a été très dur. Donc de suite dans la difficulté. Et 2020, du coup, là, ça a été en 2019. 2020, je voulais commencer à jouer pas le championnat, mais les bonnes places dans ce championnat. Et en fait, arrivée du Covid qui m'a complètement coupé l'herbe sous le pied et on a été incapable d'aller en Espagne, du coup. D'accord. Et là, la chance a bien fait... a bien fait son boulot et c'est là où en fait sorti du Covid j'ai rencontré Lucas. Donc avril 2020 on s'est rencontrés, sorti du premier confinement et en fait on s'est vu avec Lucas 4 ou 5 jours d'affilée d'entraînement et on s'est bien entendu. On a discuté assez rapidement pour que j'intègre la NASCAR en 2021. Et donc ça s'est fait, j'ai testé la NASCAR en novembre 2020 pour la première fois. Ça a été un gros kiff. Je suis passé d'un kart qui faisait 33 chevaux et 100 kilos à une voiture qui fait 450 pour un peu plus d'une tonne. Donc ça change. Ouais, la différence, elle a été incroyable. Sur la piste. Ouais, c'est ça, quand en kart au bout d'une ligne droite, tu arrives à 120 et quand là, tu arrives à 220, c'est pas bien sûr, là de suite, tu te considères plus comme un pilote et en plus qui est... Ce qui est hyper kiffant avec cette voiture, c'est que c'est à l'ancienne. Au début, je n'ai pas commencé avec la boîte en H, mais c'est une voiture qui a une boîte en H, qui a un embrayage, qui a 3 pédales. Et en fait, de me voir réaliser que je conduisais une voiture avec 3 pédales, ça m'a fait, tu vois, ça m'a fait quelque chose. Et après, donc 2021, l'année qui s'est passée. Donc on a fait un choix qui, pour moi, est un excellent choix, mais qui est mal vu par pas mal de personnes parce qu'en fait, j'ai pas fait de course l'année dernière. Ça a été que de l'apprentissage. Mmh. Et du coup, ça va faire que c'est pour cette année. J'ai déjà pas mal de roulage pour ma première année de course. D'accord. Donc, si tu veux, toute l'année, ça a été entre guillemets de la régularité. C'était quand je roulais, je devais toujours faire les mêmes tours et démontrer que je faisais pas n'importe quoi avec la voiture, que tout ce que je faisais, c'était maîtrisé. Et donc ça m'a appris à prendre des repères, à rouler avec des repères, n'importe quoi. Si je vois que ça freine ici à 100 mètres, chaque tour, je vais freiner à 100 mètres et je vais pas essayer à freiner à 90 mètres pour faire une erreur. C'est intéressant ce que tu dis. Parce que j'avais vu des pilotes de GT, et d'ailleurs, je reviendrai sur le GT après, qui disaient, il y avait un pilote de GT qui est maintenant pro en GT Pro et tout, et un Français, je ne sais plus son nom, j'ai vu ça sur un live d'Anthony Drevet, et il disait qu'il y avait deux types de pilotage. Il y avait les pilotes qui arrivaient à piloter sans point de repère, presque, au feeling, ils arrivaient à se dire à tel endroit de la piste, ouais, grosso modo, je vais piler là, et puis je vais voir, ça va bien se passer, et je connais à peu près ma trajectoire, donc c'est bon. Ils arrivent à performer comme ça, et il y en a, ils performent justement qu'en prenant plein de points de repère sur le circuit et points de freinage, etc. Vous vous catégorisez comment, vous, Paul et Lucas ? Tu réponds ou je réponds, Lucas ? Vas-y. Mais moi, j'étais un pilote qui, au début, au karting, qui faisait tout au feeling. Tout au feeling. Et après, j'ai découvert les repères. Mais c'est un boost. En fait, tu roules au feeling au début, tu prends tes repères au feeling et dès que tu as tes repères, en fait, tu n'as plus aucun... En fait, tu ne perds pas ton énergie à te dire « Ah, est-ce que c'est vraiment là que j'ai freiné le tour d'avant ?» Oui.
coup, c'est en fait, ça, tu gardes ta même performance, mais tous les tours, tu fais la même chose. Non, mais c'est, moi, c'est vachement. Ouais. Parce que moi, j'ai, en plus, quand on a vu Ulysse Delso il n'y a pas longtemps, on a fait un karting. Alors, il n'était pas là, Ulysse, dans la session. Mais effectivement, alors déjà, le karting, moi, je ne suis pas un pilote. Hein, déjà, le karting, quand tu es sur piste extérieure et tout, quand tu découvres, bah, tu n'as plus de bras. Quoi. Tu te rends compte que c'est physique. Et bah, tu te rends compte que tu perds énormément d'énergie. Déjà, quand tu n'es pas entraîné à essayer de ne pas subir le fait que tu dois tourner, tout simplement. Donc, et en plus, tu te dis, bah, comme tu viens d'expliquer, c'est-à-dire tu te poses plein de questions. Est-ce que j'ai bien fait au bon moment le tour d'avant? À quel moment je suis le plus rapide sur la piste? Je sais pas trop. Et en fait, tu perds beaucoup d'énergie à trouver tes marques. Et en fait, une fois que tu as trouvé tes marques, bah, la course est finie. En fait. Ouais, donc, c'est comme en F1, t'entendras jamais un pilote qui te dit ouais, ce virage, je sais pas où freiner. Dans tous les interviews, ils disent ouais, je freine, je dis n'importe quoi, la troisième marque rouge à droite, je freine quand je vois l'arbre à gauche. En fait, pour être performant, pour moi, c'est obligé d'avoir des repères. Ah, bien sûr, pour la régularité, en plus, c'est primordial, hein, comme tu l'expliquais très bien. Lucas, du coup, alors c'est pareil, moi, je fonctionne que comme ça, en fait. Donc, je suis assez cartésien. Alors, je dirais qu'il y a peut-être... Il y a des pilotes qui peuvent aller très vite, en fait, de suite. C'est-à-dire qu'ils montent dans la voiture. Au bout du deuxième tour, ils se mettent déjà le couteau sous la gorge et voilà, ils y vont. La seule chose, c'est que pour moi, en fait, quand on fait ce type de choses-là, on se ferme énormément de portes d'analyse. C'est-à-dire qu'en fait, on est un équilibriste, un petit singe qui s'amuse avec le volant, tout ça. Mais en fait, on va claquer un temps peut-être assez vite, rapidement. Mais quelqu'un qui est un peu plus cartésien, qui va prendre ses points de repère, qui va tout faire monter en température comme il faut, qui va prendre le temps, qui va savoir en perdre un petit peu au début, en fin de journée, celui-là, il fait vraiment mal, en fait. Parce qu'il a eu le temps de tout bien, en fait, positionner. Et les points de repère sont donc primordiaux. Et là, on peut vraiment travailler sur l'optimisation du réglage de la voiture et sur sa technique de pilotage, sur comment exploiter encore un peu plus. Et on va chercher le petit, la dizaine de centimètres là, un peu plus à la corde à tel endroit, un peu plus là. Et là, forcément, en fin de journée, ça fait bien plus mal qu'en fait le pilote qui est parti à fond et qui s'est fermé lui par contre, parce que le fait d'être à fond, comme tu l'expliquais, c'est t'es en carte, tu fais ça, mais il faut que tu puisses avoir de l'espace et du temps dans ton esprit pour pouvoir analyser ce qui se passe. Si tu es pris en fait à contrôler ta voiture, tu peux pas avoir en fait l'esprit totalement déconnecté pour analyser exactement ce qui se passe dans ta voiture techniquement. Et toi, sur ta technique de pilotage, tu ne peux pas le faire, en fait. C'est impossible. Personne ne peut le faire. Ça. Et donc, je pense qu'en fait, il faut être... Alors après, c'est chacun travaille avec sa technique. Hein. Mais de mon point de vue à moi, ce n'est pas possible. Parce que psychologiquement, je ne peux pas le faire, en fait. Bah, de toute façon, ta façon de piloter a fait ses preuves. Hein. Parce que déjà, et pour rebondir sur la biographie de Lucas, tu as fait de la Formule Renault. Et c'était en 99, ouais. Tu as été champion directement, tu as fait une troisième place. Donc déjà, tu es un très bon pilote de monoplace de base. Tu as une grosse expérience là-dedans. Tu as fait de la Formule 3 aussi. Tu as fait d'excellents résultats aussi. Cette expérience de Formule, est-ce qu'elle te sert? Elle doit te servir certainement dans cette NASCAR Wheel & Roadster. Ça a dû t'apporter vraiment des choses parce que tu arrives à performer très fort tout de suite. Bien sûr, en fait, la monoplace, ça aide... ça aide énormément et on était en fait si je prends la Formule Renault puisqu'en fait c'est là où j'ai appris, je me suis intéressé aux amortisseurs, aux pneumatiques, aux barres anti-roulis, c'est là où j'ai fait chier en fait mes ingénieurs à démonter l'amortisseur, je voulais savoir comment ça fonctionnait, les vis, l'huile, comment elle passait d'un côté et de l'autre, bon, voilà. Donc j'étais vraiment passionné, je voulais savoir comment ça fonctionnait et donc voilà, en Formule Renault à l'époque, il y avait plusieurs marques de châssis, les moteurs c'était tous les mêmes, il y avait des équipes partout, il y avait 40 voitures en France. Quand on allait faire une course de championnat d'Europe, on était 50 ou 60. J'ai claqué des pôles, je me suis retrouvé en première ligne un paquet de fois, mais j'avais pas beaucoup de moyens, donc j'avais pas d'acquisition de données. Donc en fait, ma seule acquisition de données, c'est là où je dis qu'encore aujourd'hui, ce que j'ai appris à ce moment-là, ça me sert aujourd'hui parce que j'ai pas besoin en fait d'avoir d'acquis. Je sais exactement en fait ce qui se passe, comment ça comprime, comment ça se détend, parce que je l'ai travaillé à des moments où j'avais pas de moyens et le seul moyen en fait de pouvoir rouler, c'était de comprendre ce qui se passait quoi. Donc voilà, c'était des
c'était des courses où il y a eu pas mal, beaucoup de pilotes de cette époque-là qui se sont retrouvés en F1. Lotterer, Bruni, Baumgartner, j'en passe, hein, j'en oublie, pardon Bien pour ceux sûr, que j'oublie. mais... Mais Pisonia qui était chez Williams, hein, le Brésilien. Bon, voilà, y avait, c'était vraiment la guerre. C'était pas une des courses, c'était la guerre. Voilà. Et puis après, en F3, j'ai roulé sur des courses avec Scheckter, avec. Qui c'est qu'il y avait encore un pilote qui faisait du tourisme, hein, hyper connu, un anglais, hein, ça. Prio, Andy Prio, il y en avait, il y avait l'équipe Paul Stewart qui roulait. Bon voilà, c'était un autre type en fait de période où aussi il y avait beaucoup, 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 beaucoup plus de pilotes et beaucoup plus d'équipes. C'est-à-dire que dans chaque championnat, il y avait 40 voitures. Ça, c'est Donc ouf. forcément. Aujourd'hui, si on met 40 pilotes en France, aujourd'hui, on n'arrive pas à faire un plateau de Formule Renault avec des pilotes français. Ouais. Bah, Voilà, c'est. c'est. Est-ce que ça résulte de la logique aussi qui est de toute façon maintenant c'est un énorme business hein, le sport auto si t'as pas d'argent globalement Ouais. chez une saison de NASCAR Wagoneer Series c'est 100 000 euros hein, je crois que c'est ça. Ouais, c'est. On va dire que la voiture, alors sans faire les essais, mais la voiture complète, c'est 150 000 euros. Mais voilà donc déjà vous et la NASCAR Wagoneer Series moi je pense que c'est loin d'être le championnat le plus cher qui Alors, existe hein. ah Loin de non, je là. pense que la Clio Cup, ça coûte par pilote. Hein, si on le met par pilote, ça coûte plus cher. Donc, aujourd'hui, le ratio, il est imbattable. Le ratio, quand je dis ratio, je prends tout, hein, c'est-à-dire la voiture, la technique, le temps de roulage, les circuits visités, les spectateurs. Avec une moyenne de spectateurs qui est hyper élevée, on ne se retrouve pas en fait juste entre quelques copains et d'autres équipes. Et la passerelle en fait qui peut vous amener pour les meilleurs en fait vers les États-Unis. Parce qu'aujourd'hui, il y a 22 ou 23 pilotes qui ont quand même roulé aux États-Unis. Hein. Donc c'est pas un ou deux. Voilà. Je veux dire, le ratio, j'ai eu la chance de faire quand même pas mal de choses, et sincèrement, il est aujourd'hui, de mon point de vue, il est imbattable. Imbattable. Ah mais c'est clair. Et quand on voit ton palmarès, grâce à toute cette expérience engrangée, enfin je veux dire, aujourd'hui, avec la voiture dont tu es propriétaire, tu arrives à faire des classements juste incroyables, sans ingénieur, tu es tout seul, tu fais tout seul, et tu nous as fait par exemple une saison 2021 très régulière, avec des excellents résultats, tu es passé pas loin de la victoire en plus, plusieurs fois. Deuxième, troisième deuxième et troisième en Belgique, donc à Zolder, Italie, tu as fait quatrième et troisième. Voilà, j'ai mon antisèche, bien sûr. En République tchèque, 9e, 5e, c'est ça. Grande-Bretagne, 12, 7, ok, 8, 6, voilà. Mais tu es 3e au championnat à l'arrivée. Pilote français, NASCAR Winner Euro Series, 3e. Il manquerait même pas grand-chose pour que tu sois finalement sur les deux premières places, voire vainqueur de l'élite 1, quoi. À nouveau, parce que tu as déjà été champion 2 fois au démarrage de la NASCAR Winner Euro Series. Ouais, tout à fait. Je crois il devait manquer quelque chose comme 14 points. Donc, quand on fait le calcul en fait sur l'ensemble de la saison, c'est pas beaucoup, mais c'était un peu trop. Il lui manquait. Donc, non, non, c'était une bonne saison. Ouais. Une bonne saison. Ouais. On a terminé assez bien. Donc, ouais, il faut essayer de faire mieux l'année prochaine. Exactement. Il y a Krogor qui demandait, Paul-Lucas, bonsoir, comment gérez-vous la pression en pilotant? Qui veut répondre à cette question? Mais moi d'abord, je suis un pilote qui stresse très peu. Ça, c'est un truc que je pense que c'est une grande aide. En fait, l'endroit où je vais stresser, ça va être le moment où je vais devoir monter dans la voiture. Mais je vais pas stresser la veille, je vais pas stresser la semaine avant. C'est un truc qui m'est encore. Bon, peut-être que ça va m'arriver cette année, mais en tout cas, ça m'est jamais arrivé. Le moment où je stressais en karting, c'était quand j'attendais dans le karting avant d'aller au départ. Et le moteur s'allumait. Et là, déconnexion complète et plus de pression. En fait, on est tellement dans un mode de concentration ultime quand on pilote que, en fait, toute sensation, bah, en fait, vous pouvez les oublier. On est concentré sur nous-mêmes. On est concentré sur pas faire de bêtises, sur prendre les bons choix. Enfin, moi, en tout cas, je le vis comme ça. Et moi, en tout cas, je sais que je stresse. Je vais stresser. Je le sais. Tour de chauffe. Tour de chauffe. Moment rentrer dans le dernier virage, et quand ça va être à fond, je vais avoir 2 secondes de stress, ça va partir, et là,
là je vais être focus et là je ressens plus rien jusqu'à la fin de la course. Bah écoute, et Lucas du coup, comment tu gères la pression? Moi je dirais que j'ai pas trop le temps de stresser parce que je suis occupé. Et en plus, avec l'expérience que tu as, tu dois plus beaucoup stresser aujourd'hui. En fait, voilà, je suis simplement centré sur ce que je dois faire. J'ai tout un rituel. Donc, c'est pareil, c'est des choses que j'ai travaillé très jeune et que j'ai optimisé. Donc, j'ai mon rituel de quand je. Enfin, je me connais par cœur. Et donc, quand j'ai éventuellement une petite montée, je sais exactement comment réagir. Et ça m'est arrivé plusieurs fois d'être vraiment dans le rouge pour la voiture de préparation parce que vous savez taper ou on avait un petit problème et il fallait vite monter dans la voiture. Voilà. Donc je me jette dedans et là juste pour arriver à switcher en fait entre mes deux personnalités ou enfin mes deux rôles en tout cas ou mes plusieurs rôles c'est qu'à ce moment-là pour passer en fait pilote de course j'ai une technique en fait qui en l'espace de 30 secondes me permet de me recentrer et d'aller rechercher de l'énergie pour être bien les yeux ouverts quand ça va passer au vert quoi. Ok, bon, en tout cas, c'est assez incroyable. Là, vous allez aligner 4 voitures, donc comme tu me l'as dit, par ligue. Et ça va être impressionnant, du coup. 4 voitures comme ça, quand même. Mais Paul, qui va être... Où tu voulais dire ? Pardon. Non, comme je disais tout à l'heure, en fait, il faut faire attention quand on dit 4 voitures. En fait, parce que quand on le dit en fait comme ça, de suite, ça paraît... Enfin, oui, c'est important, mais ça paraît très gros. Et on se dit, putain, 4 voitures, ça va être... Mais en fait, il faut juste arriver à se rendre compte d'une chose, c'est que si on fait 4 voitures comme ça, on arrive, on pose 4 voitures et on y va, forcément, ça va être le bazar. Donc, ce qu'il faut là, à ce moment-là, c'est vraiment travailler en amont. Je l'ai vraiment réfléchi, je l'ai pensé. C'est travailler en amont en disant, voilà, pour pouvoir faire ça, il faut être structuré de telle façon pour que ce qui se passe sur la voiture 1 ne vienne pas empiéter ce qui se passe sur la voiture 3 ou sur la voiture 4. Donc, en fait, quand des équipes je ne l'invente pas, hein. C'est des choses que j'ai vues, et voilà, je connais le mode de fonctionnement, mais quand des équipes comme Prema, mettons en Formule 4, peu importe, en Italie ou en Europe, ils ont 6 voitures. Oui. Ils mettent pas 6 voitures sur le box. Ils font des équipes, en fait. Ils font des équipes de 2. Et en fait, il faut organiser les choses de telle manière pour que ça soit en fait une organisation pyramidale, mais par 2 voitures. Donc moi, il y aura Speedhouse avec 4 voitures, oui, mais avec une organisation qui sera faite en fait par 2 voitures. Voilà. Et donc, d'accord. À ce moment-là, il y a des choses qu'on peut mutualiser et il y a des choses qu'il faut un peu séparer pour mettre en fait de la tranquillité à tout le monde. Voilà. C'est pour ça que je dis que si moi j'ai un problème sur ma voiture, il ne faut pas que ça vienne en fait empiéter sur l'organisation qu'a la voiture de Paul. Voilà. Et ça peut se faire que si on a les bonnes personnes, pas forcément, je ne parle pas d'un budget à gogo parce que je ne suis pas comme ça et que je contrôle tout ce qu'on peut contrôler, mais c'est vraiment juste simplement d'être efficace. Et pour être efficace, il faut éviter que ça soit le bazar. Des fois, quand c'est le bazar, en fait, ça coûte encore plus cher que quand on a mis les bonnes ressources au bon endroit. Voilà. Bah, en tout cas, donc, ça va être... voilà. Ça va être très intéressant à suivre. Donc, 4 voitures, effectivement. Après, moi, je ne doute pas absolument pas du fait, justement, que vous puissiez performer avec 4 voitures, parce que c'est vrai qu'après, en NASCAR, on a déjà vu des équipes. Alors, je parle d'autres divisions américaines, on est sur un autre sujet, mais aligner 4 voitures d'un coup, et puis en fait, on voit que, bon, ils ne performent pas, et après, on se dit, bon, peut-être que s'ils avaient mis moins de voitures, ça aurait mieux performé. Mais franchement, là, ça donne envie. Ça donne envie de bien vous suivre pour la Speedhouse, c'est très sympa. Et je voulais du coup revenir sur Paul. Donc tu as fini 3e Club Challenge. Club Challenge, est-ce que tu peux nous rappeler du coup combien de circuits c'est globalement et quelles ont été tes expériences préférées lors de cette première expérience en NASCAR du coup ? Du coup, c'est tout championnat comme les pros, sauf Brandach. S'il n'y a pas Brandach, on fait tout le reste sauf Brandach. Et Brandach est un circuit en Angleterre. Bien sûr. Oui. Et en fait, moi, ça a été au début, je me suis dit, ouais, c'est cool, mais pourquoi pas la course, pourquoi, enfin, je comprenais pas vraiment. Et j'ai compris à Valence, en arrivant à Valence,
C'est pas un kart, la voiture. C'est pas quelque chose qui se pilote. C'est une vraie voiture. C'est quelque chose qui est difficile à dominer. Donc, à Valence, ça a été la compréhension de ce qu'était la voiture, ce qu'était un week-end de course et tout. Donc, tout a été nouveau à Valence. J'ai appris à faire le talon pointe à Valence. Ça a été là où j'ai commencé à tout petit peu à faire le talon pointe. Mmh. Et après, on arrive à Most. Et à Most, ça a été la délivrance. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. On avait fait deux journées d'essai avant. J'avais engrangé, mais tu sais, comme tu roules toujours sur le même circuit, tu ne te vois pas forcément t'améliorer. Mmh. Et en fait, quand j'ai fait le gap entre Valence et Most, ça a été incroyable. En fait, je suis sorti aussi, entre-temps, j'ai commencé fortement la prépa mentale, ce qui m'a aidé beaucoup. Mais en fait, je suis arrivé à Valence avec moi qui étais, j'osais pas, j'étais là, j'étais un peu, tu vois, un peu crispé et tout. Et à Most, à sortir piste séchante, donc condition que les plus piégeuses parce que tu as la piste est sèche sauf que le virage d'après il peut être mouillé et en fait je me suis surpris à tout en ayant un sentiment de maîtrise à mettre les watts en sortie, à mettre à fond à... en fait plus rien m'impressionnait, je sais pas comment t'expliquer, je voyais en fait ça me sautait plus au visage, c'est je le voyais arriver toutes les infos je les voyais arriver et donc ça a été la première fois où j'ai eu le cul qui partait un peu. Mais instinctivement, sans même y réfléchir, le volant, j'ai fait ça, c'est reparti, et puis voilà. Et donc là, ça a été l'apprentissage de la voiture, ça c'est sûr cette année. L'apprentissage des pistes. Parce que c'est connaître la piste, c'est toujours un avantage. Et ce qui est incroyable avec ce championnat, c'est que chaque piste a un truc que les autres pistes n'ont pas. Par exemple, je prends un exemple, voilà, Vallelunga, premier virage, c'est à 220. Donc, c'est forte sensation. À Zolder, bon. C'est un enchaînement de techniques et c'est des virages qui se prennent pied à fond. Et donc, ça, c'est un truc. C'est plus des courbes à Zolder. C'est des courbes, c'est des trucs qui se prennent à fond. Et moi, juste avant, j'avais l'habitude d'arriver avec du frein sur les courbes. J'avais pas l'habitude de mettre gaz super tôt et que ça continue à tourner. Et comme la NASCAR, c'est une voiture assez molle, en fait, quand on est sur les gaz. Le nez se lève et on a moins d'avant. Du coup, ça a été un nouveau truc. À Rijeka, c'est une grosse ligne droite. Là, j'ai eu de l'orage carrément, c'était de l'aquaplaning et tout. Donc, en fait, cette année, ça a été. En fait, chaque week-end, alors je pense que c'est incroyable, chaque week-end, j'ai jamais eu les mêmes conditions. Et que ce soit par la piste, que ce soit par la météo, j'ai réussi à avoir piste sèche, piste séchante, piste qui était en train de se mouiller. Je suis parti et qu'il y a eu la pluie qui est arrivée. J'ai eu piste aquaplaning et j'ai vu des banking, j'ai vu comme je disais des longues courbes, des épingles. J'ai vu des trucs où il fallait rentrer fort, des trucs où il fallait rentrer doucement. Et toute cette expérience, en fait, ça va être que du bonus pour cette année. Hâte de voir ce que tu vas être capable de faire en Elite 2, sachant qu'en plus, il y a notre ami Ulysse Delso qui va être en Elite 2, qui revient à plein temps, le couteau entre les dents, j'allais dire, pour performer à fond suite à une saison Elite 1 assez fragile. Et après, il a fait des choses, il était en. Est-ce qu'on est amené à te voir d'ailleurs sur e-racing ? Ouais, je joue beaucoup à e-racing, ouais. Attends, je vais me le noter parce que si tu veux faire des courses avec Ulysse et tout dans notre équipe, parfois on fait des trucs. N'hésite pas, on peut t'inviter, hein, bien sûr. Okay, on roule tous ensemble. Ouais, ce week-end, là, je fais les 12 heures de Sebring, ce qui est une grosse course quand même. On le fait aussi, je crois. Je suis pas mal dans le Sim Racing. Ouais. Et du coup, je suis beaucoup en contact avec aussi les pilotes québécois de Late, de Super Late, enfin pas de Super Late parce qu'il y en a peu qui sont Super Late, mais en Pro Late modèle, ce genre de choses. Et pareil, si vous avez envie de rouler avec eux sur e-racing, moi je peux vous mettre en relation et puis tu rouleras avec des pilotes professionnels de Pro Late. En fait, eux au Québec, ils roulent essentiellement sur Oval. Ouais. Donc, ils ont des short tracks et ils sont très très forts sur iRacing. Hein. Je vous préviens tout de suite. J'ai fait un championnat justement, là au début d'année. C'était organisé par NASCAR aux États-Unis. Oui. Et j'ai fait des courses contre Oval avec les Américains et j'ai compris. J'ai compris que c'était un autre niveau. En fait, on a vu la différence de psychologie de course. On a,
En road, ça a été 100% des podiums oui, européens. Vous êtes très très bon en road. Ça, c'est un truc de fou. Les pilotes de Williams Euro Series. En ovale, ils ont une gestion des pneus, mais c'est incompréhensible au début. Tu te dis, mais comment ils arrivent à faire les mêmes tours qu'en début de course après 40 tours alors que nous, on perd une seconde. Là, bientôt, je suis en train de voir, du coup, je suis en train de voir avec un pilote américain, puisqu'on fait aussi des interviews traduites en anglais. Américaine, j'ai un traducteur qui m'aide. Alors je parle un peu anglais, mais je suis pas native speaker, tu vois. Et il m'aide un peu. Et là, bientôt, je vais avoir du coup celui qui a gagné la finale, Phoenix, en e-racing international. Ouais, et ce mec-là, Trayton Labzevich. Labzevich, ouais. Labzevich, ce mec-là, c'est simple. Il te met une pile sur tous les ovales. Alon a failli battre. C'est un monstre. Alon aussi il est très fort sur e-racing. Allende Mais sur routier, Allende, ouais. Il est imbattable sur routier. C'est assez fou ça. À Daytona, j'étais à son cul. Je me suis dit, putain, cette fois c'est ma course, je l'ai. Et bon, c'est pas ah passé. Ouais, non mais quel dommage. Mais Allende, il est impressionnant. Hein. Ouais, sur iRacing, il a le truc. Ouais, c'est vrai, il a le truc. Et les frères Labzevich, parce qu'en fait, ils sont deux. Hein. T'as Trayton et t'as Kaiden. Et en fait, pour vous expliquer un peu leur palmarès, Kaiden, il a déjà fait des pole positions en super late model, pour te dire. Donc, sur des grosses courses américaines, sur ovale très rapide, il a déjà fait des pole positions et tout. Donc, c'est des mecs. Et Trayton, il est à la Pinty's. Donc, en fait, quasiment l'équivalent de la NASCAR Winner Series au Canada. Et il est sur la voiture de Tagliani. Ok. Trayton Labzevich. Alex Tagliani, ouais. Donc, il est dans la 18. Je sais plus, j'ai pas regardé cette année. Enfin, je regarde en préparant son interview s'il va refaire. Normalement, il va faire de la Pinty's cette année. Mais c'est un excellent pilote. Hein. Lui, pareil, il est sur iRacing. Peut-être qu'il y aurait moyen de faire un truc avec lui aussi un jour. Hein. Roulé justement tous ces noms, je les connais parce qu'on a roulé ensemble lors de ce championnat. Ouais, non, mais c'est des malades. Et en fait, Trayton, et puis après, je reviens à vous. Trayton, le truc, c'est que. Il a gagné sur iRacing, je parle, hein, des courses très très dures à gagner. Il a gagné le Snowball Derby. Tu connais Snowball Derby C'est la course de Super Late la plus connue aux États-Unis. Donc il a gagné la version iRacing qui est disputée par des Américains, mais tous les Américains qui se connaissent en stock car ils font cette course. Donc il a gagné avec son frère. Ils ont gagné chacun dans leur split, les mecs. Je sais pas si tu vois. Ils font des courses sur Oval. Il a fait le All American 400 sur iRacing, il le gagne. Il a fait donc Snowball Derby, il le gagne. Le mec, il gagne tout. Il gagne Phoenix en NASCAR international. C'est pas genre je gagne la course de mon split le dimanche. C'est je gagne la course de NASCAR international iRacing, quoi. Ou après en road, c'était derrière quand même, mais ouais. En road, ils sont un peu derrière. Ouais. Mais ils sont pas mal, hein, ils se démerdent. Hein. Ouais. Après, c'est sûr qu'il y a une différence parce que ceux qui nous ont fait peur, entre guillemets, c'était les Européens sur road. Oh, bien après, sûr. En ovale, ils ont un truc, c'est la dégradation, je sais pas comment ils font. De toute façon, Allende, on a vu, hein, ça va être. Qu'est-ce que tu penses, toi, Lucas, d'Allende? Son talent de pilotage, qu'est-ce que tu penses de ce pilote? En étant franc, parce que bon, c'est un concurrent, donc j'imagine que bon, voilà. Mais, il faut avoir du respect. Il faut avoir du respect pour les bons pilotes. Je pense qu'en fait, ces années chez Cal, ces années chez Cal, je pense que Ulysse, Fred Gabillon et pas mal d'autres savent très bien pourquoi en fait il l'a gagné tant de fois. Mm-hmm. J'ai entendu dire des trucs aussi. Voilà. Pardon ? J'ai entendu dire des trucs aussi apparemment. Ouais, je peux dire, hein, c'est que voilà. J'ai testé quelques temps après ce qu'il avait. Bah, forcément, ça aider un peu. Et donc, il n'y avait pas un truc avec la suspension, je sais pas quoi. Si. Ouais, barre anti-roulis, porte-moyeux. Voilà. Donc forcément, ça a aidé. Hein. Et puis quand il y a eu ces pièces-là un petit peu en moins, il était toujours devant. Hein. Mais il gagnait plus en mettant une seconde au tour à tout le monde. Hein. Voilà, c'est tout. Hein. Donc voilà, après, ça reste un bon pilote. Je pense qu'en fait, il est un peu surcoté parce que les équipes comme forcément Cal, on l'a vu cette année, hein, ça a été un peu plus compliqué. Ça a été plus compliqué parce que c'est la même voiture un peu pour tout le monde. Je pense que chez PK, il avait une voiture qui était clairement, en fait, c'était avec la première année des nouveaux pneus.
Ils ont fait beaucoup d'essais. Ils étaient clairement un petit peu au-dessus. Mais je pense que c'est clairement lié aujourd'hui à PK, qui est une équipe avec beaucoup de ressources, beaucoup de très très bonnes personnes. Pour tout vous dire, fin 2020, quand ils gagnent le titre, ils célèbrent le titre à Valencia et ils font une photo. Ils font une photo à la sortie du podium. Et j'étais avec mon meilleur ami, je dis prends vite une photo là, fais-moi plusieurs photos. Moi, j'ai compté derrière, on a regardé, ils étaient 17. 17 personnes autour de la voiture. Et je peux vous dire, il n'y avait pas. On parlait tout pas seul, de cuisinier, de cuisinier ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il y avait de la matière grise, des gens hyper compétents. Voilà. Donc, je pense que. Ils sont encore en termes de budget à un autre niveau et je pense qu'Alon il a bénéficié forcément de ces ressources là quoi, et c'est pour ça qu'il est retourné cette année hein. Ah bien sûr, et puis on voit tout de suite hein, de toute façon on se fait pas d'illusions, mais avec les ressources qu'ils ont, ça se voit, de toute façon ça se voit tout de suite, les voitures qui ont plus de ressources. Et depuis longtemps Alon Day il a toujours été de toute façon dans les voitures où qui étaient les mieux préparés, on va dire, et en termes de budget, etc. Donc, logiquement, et puis avec le talent qu'il a, voilà, c'est indéniable. Bah, tu finis devant, en fait. Exactement. Exactement. Donc, je pense que c'est pour ça que je dis c'est un très bon pilote, mais je pense qu'en fait, il est un peu surcoté parce qu'il y a eu tout ça. Aujourd'hui, il serait dans une équipe qui serait une bonne équipe, mais qui serait un poil derrière. Ça serait plus compliqué. Et en fait, on l'a vu tout simplement en fait, l'année dernière avec Cal. Ercoli avait pris sa place chez Cal Racing puisqu'il était parti chez PK, et quand il est revenu il a une voiture normale qui marchait très bien, mais c'était plus devant, et c'est pour ça qu'il change. Donc je pense que voilà, tout simplement il y a de très bons pilotes dans la série, et après il faut arriver à régler la voiture pile poil comme il faut, et ça demande un peu de moyens, de la compétence, des ressources. En tout cas, non, mais moi je suis persuadé, si on met Lucas dans une voiture comme ça, c'est sûr il gagne. Toi, tu gagnes hein, direct. Ouais, je vais dire peut-être autre chose. J'ai dit qu'on laisse en fait deux mécaniciens, deux bons mécaniciens qui connaissent pas forcément très bien la voiture, mais qui travaillent bien, avec juste un pilote sans ingénieur, sans data, et qu'on laisse le pilote faire son travail. C'est-à-dire qu'on le laisse venir avec la voiture sur une remorque ou même dans le semi, peu importe. Mais que le pilote règle sa voiture seul. Voilà, peut-être qu'à la fin, on fera les comptes à la fin du meeting de course ou à la fin du championnat et on verra. À la dure, quoi. À la dure. Le vrai pilote, c'est le pilote qui sait régler sa voiture, qui a une compétence technique globale. De gestion de réglage d'une voiture et qui peut savoir voilà, comment une auto s'écrase, pourquoi se détendre, pourquoi mettre tant de carreaux, pourquoi mettre tant de chasse, pour moi, pourquoi mettre tant de clics en compression, détente, haute, basse vitesse. Voilà, après, je dis, ça n'enlève pas les compétences de pilote de certains pilotes, mais je pense qu'un pilote complet, c'est un pilote qui doit savoir ce qui se passe sur sa voiture. Voilà. Exactement. Et c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, ça rebondit. De toute façon, ça reconfirme, parce que c'est toujours les mêmes analyses qu'on fait à force, hein, ça revient toujours. Mais quand on parlait, par exemple, vous suivez peut-être la Cup Series, mais quand je parlais à Étienne, du coup, l'ingénieur de Bubba Wallace, on parlait de la physionomie de l'équipe quand la 23-11 a commencé. Donc Bubba Wallace, qui est un pilote qui a pas beaucoup d'expérience, moins d'expérience que certains pilotes, etc., en termes de sensation de voiture. Étienne, qui est un ingénieur qui n'a pas autant d'expérience d'ingénierie que d'autres ingénieurs de la Joe Gibbs Racing qui ont 20 ans de pige de boîte. Enfin, les mecs, ils savent régler une voiture au millimètre. Et en plus, ils travaillent avec Kelbusch. Enfin, je veux dire, la recette est parfaite. C'est des gars qui savent régler leur voiture. Et là, cette saison, on se retrouve avec Kurt Busch qui arrive dans la 23-11. Et donc, en fait, ils se disent, là, déjà, en plus, on a deux voitures. Donc, c'est-à-dire qu'on a deux expériences différentes séparés qui permettent aussi de croiser les données, parce qu'en fait on se dit c'est des voitures Joe Gibbs, tu sais, et que voilà, c'est facile, il y a des échanges de données et que c'est bon, je peux appliquer les données facilement sur la voiture de Bubba et puis c'est bon, ça marche.
parce que ça marche pas comme ça. C'est vraiment l'ingénieur qui apporte son savoir-faire en plus, et avec les retours du pilote, comme vous dites très bien, qui valide, enfin voilà, qui suit ses ajustements. Et là, on pense qu'avec Kurt Busch aussi, et on le voit tout de suite, hein, Kurt Busch, il est déjà devant Bubba Wallace, tu vois, parce que bah, on sent que bah, le mec, bah, c'est un mec à l'ancienne, il a une pige d'expérience derrière, il doit avoir un ingénieur derrière lui qui a beaucoup d'expérience aussi. Donc ce mix-là fait que bah, tout de suite ça paye, et du coup ça va peut-être aider aussi Wallace derrière. Et du coup après, dans votre équipe, ce qu'il y a, c'est qu'il y a toi, Lucas, tu as un gros bagage d'expérience justement comme ça, qui te permet derrière, même sans moyens faramineux, etc., d'arriver à performer très fort, très vite, et d'accompagner, d'élancer aussi les personnes qui, effectivement, ont besoin d'un accompagnement plus parce qu'ils sont jeunes pilotes, comme Paul, Néo Lambert, etc. Et je pense que grâce à tout ça, grâce à cette émulsion, quand bien même t'es 4 voitures, 6 ou 9, on s'en fout, ça va marcher, en fait. Moi, je pense que ça, vous allez faire une bonne saison, ça va être vachement intéressant. J'espère oui, forcément, que ça va marcher, parce que y a pas la raison que... voilà, on va continuer sur la même chose, sur la même lignée. Au contraire, moi, je vais avoir un peu plus de temps disponible aussi, puisqu'on sera structuré différemment pour pouvoir être encore plus efficace là où il y a besoin, hein, c'est-à-dire sur l'accompagnement, sur la technique, sur le coaching. Mm-hmm. Après, comme je dis en fait à Paul, puisque Paul m'a demandé récemment, il me dit ouais, « j'aimerais essayer de régler la voiture », j'ai dit en fait, tout doit arriver en fait, étape par étape. Si déjà le pilote… il va faire sa première course là, il faut bien remettre les choses dans le contexte, mais il est bien préparé, il a pris le temps, on a fait tout ce qu'il fallait, comme il a expliqué, il a dit à un moment donné il y a eu un déclic, mais en fait ce déclic là c'est tout dans le process en fait que j'ai mis en place, parce que je connais les choses par cœur, c'est mon métier depuis des années en fait, donc je sais que ça arrive, et que voilà, il faut laisser le temps. Des fois ça peut mettre 2 jours, 3 jours, mais on a roulé tous les mois l'année dernière entre les courses et les séances d'essai, entre le club challenge et les séances d'essai. Donc forcément, il y avait un moment donné, tac, on franchissait des paliers. Mais chaque fois qu'on franchissait un palier, en fait, tout était déjà très bien consolidé. Donc hop, on en remettait un. Et on continuait, et on continuait. Et là, c'était la régularité. La régularité, et tac, et automatiquement, naturellement, on refranchissait le suivant. Donc aujourd'hui, Paul, il est bien préparé. Ce qu'il faut, c'est de pas brûler les étapes. C'est d'y aller en fait vraiment crescendo, de dire on continue, on reste centré sur soi-même et on travaille. Et en fait, il y a que comme ça qu'on peut arriver en fait à un moment donné à performer, en étant centré sur soi-même, centré sur sa technique, sur ce qu'on sait faire. Et ensuite, au fur et à mesure, on dit oui, je commence à comprendre comment fonctionne la voiture, de dire voilà, tu l'as senti comment, elle a fait quoi à ce moment-là, ok, je t'explique pourquoi. Voilà. Mais c'est pas. Je veux dire, on s'est tous tapé dans un ballon, mais on n'est pas tous footballeurs en fait. Et là, c'est pareil. On va savoir conduire la voiture, peut-être gagner une course, peut-être se battre pour faire un podium, un top 5, un top 10 et être que Paul fasse quelque chose. Par contre, ce type de choses-là, ça s'acquiert avec le temps, et on ne peut pas lutter contre le temps en fait. Donc, il faut se laisser le temps, voilà, d'y aller étape par étape et de dire voilà, ça, ok, maintenant tu en es là, tac, maintenant on va pousser un peu plus. Mais ça ne peut pas se faire en fait en une année. Bien sûr. Mais de toute façon, il n'y a pas de miracle. De toute façon, sport auto, hein, on le voit très bien avec. Il y a tellement d'exemples, même sur les ovales américains, de pilotes qui ont peu d'expérience. Après, il y en a qui arrivent à performer très vite. Mais parfois, on se pose des questions. C'est comme Ty Gibbs, tu le vois, il est tout le temps là, machin. Mais bon, c'est comme même aux États-Unis, ils se disent sa voiture. Bah, de toute façon, c'est la meilleure du plateau, direct. Hein. Je veux dire, ils mettent des ingénieurs Joe Gibbs derrière. Je veux dire, c'est monstrueux. C'est juste monstrueux en termes de financement déjà. Donc, en Xfinity Series, en plus, tu as la moitié du peloton. Bah, c'est des écuries qui ont beaucoup moins de moyens. Donc, déjà, tu peux les mettre hors champ. Ils ne sont pas dans les compétitions presque. Donc, après, voilà, bon, il gagne. Ouais, il a un peu. Je ne sais pas s'il a de la chance, mais c'est vrai qu'il tire toujours bien son épingle de jeu. Le bon Ty Gibbs. Hein. Mais c'est vrai qu'il est assez impressionnant parfois. Mais. Il y a des fois, on se dit, il y a quand même un petit coup de pouce parfois. Bon, enfin bref. Je reviens du coup sur les questions du chat en direct. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions. J'ai mis un anti-spam en place parce qu'effectivement, on s'est fait spammer. C'est pas grave. De Jules Gradowski qui vous demandait. On n'a pas posé la question. Jules, rassure-toi, je ne l'ai pas encore posé, mais c'est vrai que je suis un peu tout dans n'importe quel sens. Comment vous avez commencé à rouler en NASCAR ? Donc, Paul, tu nous as un peu expliqué. C'est suite au karting, ta rencontre avec Lucas en 2020. Et Lucas, du coup, toi, tu arrives lors des premières saisons de NASCAR Wheel and Euro Series 2009-2010. Tu es champion directement.
c'est bien. Et comment ça s'est fait tout ça? En fait, je roulais au Japon. Alors, j'avais une période un peu compliquée où en fait, bon, moi, je fais partie en fait de la filière Elf. Et on a eu une période où en fait, il y avait beaucoup de pilotes français qui étaient très forts, hein, puisque en fait, dans ma génération, il y avait Fred Gabillon qui roule en NASCAR aussi avec nous, mais il y avait Romain Dumas, Sébastien Bourdais. J'en oublie, Cochet, Fassler, Marcel Fassler, Benoît Tréluyer, donc j'ai dit ouais, Bourdais. Voilà, on était en fait 15 à pouvoir gagner des courses tous les week-ends. Et quand on regarde en fait les 5 ou 10 années qui ont suivi en fait cette année-là, c'était l'année la QV 95, on a gagné partout en fait. Mais quand je vous dis partout, on a gagné partout. Si on regarde après Le Mans avec les Tréluyer, Fastler, voilà, toute cette période-là, en fait, avec les l'IndyCar, le Champ Car à l'époque, voilà, c'était la guerre atomique tous les week-ends. Et en fait, on vivait tous dans un internat, on était tous ensemble, et même la semaine, c'était la guerre. Donc, il n'y avait pas les téléphones portables, il y avait une cabine téléphonique. C'était la guerre pour tout, en fait. Donc, voilà, après toutes ces années-là, la Formule Renault, la F3, le GT, je voulais vraiment partir au Japon et rouler. J'étais managé par Eric Comas, qui m'a dégoté un test en fait au Japon, et j'y suis allé. J'ai fait deux fois cinq tours sur un circuit à Okayama, qui était en pleine montagne. Il y a eu un Grand Prix de F1, le Grand Prix du Pacifique à l'époque, voilà, quand il y avait encore Senna. C'était, je crois, le deuxième Grand Prix avec la Williams. Donc, c'était un Grand Prix peut-être avant Imola. Et j'ai roulé là-bas et voilà, j'ai été pris. On était 8, ils en prenaient 2 et j'ai été pris. Et en fait, je fais tous les essais de saison à Suzuka, les essais officiels. Et puis, je fais un aller-retour avec l'Europe pour l'annoncer officiellement à la ville de Pau, qui était un de mes partenaires. Et puis là, j'ai reçu un appel en me disant que, en fait, de checker mes mails et... c'était 3 lignes qui disaient que j'étais trop grand, que j'étais un sumo et qu'en fait, mon coéquipier, tous les sièges devaient être boulonnés, tout ça s'arrêtait. Donc, on était furax avec Eric Comas parce que c'était quelque chose qui ne se faisait pas. Et donc, j'étais vraiment écœuré. Donc, j'ai passé une sale période à ce moment-là et j'ai dit, c'est terminé, je veux plus rouler. Donc, je me suis occupé du Grand Prix automobile de Pau avec une journaliste, Marie-France Estenave, dont on était les patrons. Et donc, j'ai mis mon énergie un peu là-dedans. Et là, est arrivée une catégorie, j'ai vu, avec des voitures américaines. Et je dis, tiens, voyons, je ne savais pas trop, j'ai hésité. Et puis, je dis, bon, je vais aller essayer. Donc, j'ai appelé Jérôme Galpin à l'époque. Et j'ai dit, voilà, j'aimerais venir essayer. Et puis, en fait, quand je suis monté dedans, j'ai fait 2 tours. Et j'ai dit, putain, c'est ce que je veux faire. Il y a pas d'électronique, il y a pas tout ce qui coûte cher, hein, tout le truc qui t'aseptise une voiture en fait, ça y est pas. Et si je le fais, par contre, je le fais, mais je le fais moi-même en fait. C'est-à-dire que je prends une voiture et je le fais moi directement. Et à ce moment-là, une personne m'a fait confiance, c'est Eric Antal. Voilà. Ah. Et donc avec Eric, on a dit, Eric a dit, ok, je fais 3 courses. Je lui dis, écoute, moi, je peux en faire qu'une. Et on a fait la première, j'ai gagné. Il m'a dit, je fais les 3 dernières. Donc, et il me dit, écoute, c'est bon, allez, je t'aide, viens, on se le fait ensemble. Voilà. Et en fait, c'est parti comme ça. Donc, en fait, dès le début, moi, ouais, cette voiture-là, je l'aimais parce qu'on était sur de la pure course, voilà, du pur pilotage, avec un vrai talon pointe, avec ce que j'avais connu, en fait, quand je roulais en 95 et quand tirer tous des bouts avec la Formule Renault en Europe, voilà, et de la pure bagarre. En fait. Et c'est ce que j'aime. Et aujourd'hui, je sais que Fred Gabillon est content aussi, s'il voit l'émission, mais je sais qu'il partage la même chose. C'est-à-dire qu'on aime ça parce qu'on on conduit réellement la voiture. On n'attend pas que les pneus, au 4-5 tours, peut-être en GT, les pneus se cassent la figure et après, on est dans les ABS, dans les traction control. Non, nous, on réfléchit un peu, on change un peu nos trajectoires, on saute un peu plus le vibreur ou un peu moins et ça va aussi vite, voire plus vite, quoi. Voilà. Et c'est ce que j'aime, voilà. C'est ce que j'aime vraiment. Je crois que dans ma carrière, voilà, pour dire ce que j'aurais vraiment aimé essayer, c'est le V8 Supercar. Voilà.
C'est ce qui me manquera, sûrement, c'est sûr, c'est ce qui me manquera, mais c'est vraiment une catégorie où, où je sais que mon esprit, enfin mon état d'esprit, ma technique, tout ça, je sais que je me serais éclaté en fait là-bas. Voilà. Et c'est vrai que le VU Supercar, c'est beaucoup de, c'est un sport de contact. Hein. C'est, ouais. C'est des voitures, enfin comment dire. C'est pas comme du stock car américain, c'est loin de là, c'est beaucoup de routiers, etc. Beaucoup de beaux pilotes qui sont très très forts sur. Enfin, c'est vrai que je te verrais bien là-dedans, avec des pistes. Enfin, je sais pas, les pistes australiennes, je dirais qu'elles sont très serrées, beaucoup de contacts entre les voitures. Ça la dure, c'est pareil. C'est de la guerre, les pneus sont étroits, les voitures sont lourdes. Il faut gérer tout ça, il y a beaucoup de contrôle, il y a beaucoup de techniques. C'est vraiment quelque chose qui est atypique, je pense, qui est vraiment très dur. Il ne faut pas sous-estimer qu'il est vraiment dur, mais je pense que le mental et l'esprit, en fait, quand on va dedans, il faut être solide. Et je pense que c'est un truc qui m'aurait bien plu. En tout cas, c'est vrai que le V8, mais tu m'as dit hors antenne que s'il y avait une course que tu aimerais bien faire, c'était les 24 heures de Daytona. Est-ce que tu penses que c'est faisable? Dans quelle écurie tu te retrouverais? Tu te retrouverais dans du GT, c'est quoi déjà c'est du GT3 maintenant uniquement, mais ouais. Tu serais dans un équipage amateur, ce serait dans un équipage professionnel uniquement, qu'est-ce qui serait faisable? En fait, l'année dernière, ça a failli se faire avec une LMP2. Enfin, il y avait une opportunité pour que ça se fasse vraiment avec une LMP2. Il y avait tout qui était réuni. Et puis, bon, la personne qui devait prendre la décision au dernier moment a dit non, c'est trop dur pour moi. Et c'était, pourtant, il avait déjà roulé là-dedans dans ce type de voiture. Mais il dit, c'est une pression qui est à haut niveau. Et il y avait un partenaire qui était vraiment intéressé pour financer tout ça. Et donc, ça a failli se faire, mais j'ai un bon copain en fait aux États-Unis et c'est vrai que si je dois faire ça en fait, j'aimerais le faire avec cette personne et pour partager aussi. Tu peux donner son nom de ton copain aux États-Unis? Pardon? Tu peux donner son nom de ton copain aux États-Unis? Vous connaissez? Qui était le patron de Michoud Motors avec qui j'ai roulé NASCAR. Qui roule là en comment ils appellent, en GT américaine, donc c'est avec les GT3 qui a fait l'ouverture à Saint-Pétersbourg là, en IndyCar et qui roule avec une Corvette Callaway GT3. D'accord. Et ça, c'est un bon copain à toi. Et il fait un peu de stock car pur et dur américain ou pas du tout? Non, il a roulé en NASCAR, donc en NASCAR Whelen. Donc, il roulait là-dedans, mais non, il a fait le Mans avec une Lotus en Propo. Il a roulé aux États-Unis avec Van der Zand, Junquera. Il a fait beaucoup de choses et c'est une belle personne. Si je devais le faire, ça serait avec lui. Ça serait génial de voir Lucas Lasserre dans le bandeau au déroulant de la télé. Peu importe la catégorie où tu serais, ça serait juste génial. LMP2, t'aurais été en proto, vu que ça fait longtemps que t'as fait de la monoplace, les virages t'aurais pas un peu sauté à la gueule, non? Je sais pas comment on vit ça comme un pilote en fait. Ouais, non, mais forcément qu'au début ça viole un petit peu, hein, forcément. je sais que si ça se faisait, on allait rouler avant, on allait pas y aller comme ça en fait. Donc, après, c'était vraiment sous contrôle et la décision, elle a été prise au bon moment. Donc, on n'y serait pas allé comme ça. Quoi. D'accord. Et de toute façon, sur une prochaine, vous irez avec de la préparation. En tout cas, je souhaite vraiment qu'avec ton ami, vous puissiez le faire et qu'on ait un Français supplémentaire sur la grille de départ. Parce qu'en GT, en plus, il y a un Français qui a gagné le GT. Hein. Du coup, c'est mais une belle bataille dans le dernier tour. Incroyable, et une bataille américaine, c'est-à-dire pas se dire oui, je peux le doubler là, je peux pas le doubler là. Non, c'est le dernier tour, on vient de faire 24 heures de course, tu te pousses ou on est mort. Quoi. C'est ça la course. Enfin, je le vis comme ça, moi. Après, bon, dans les championnats plus réguliers, oui, il faut faire attention, machin. Bon. Vous êtes sur quel état d'esprit? Vous êtes plutôt.
par exemple, comment dire, l'endurance aujourd'hui où vous n'avez pas besoin de faire trop attention. Vous avez, je ne sais plus combien de tentatives ils ont pour faire un dépassement. Je ne sais pas, il y a une règle. Comme ça, vous ne pouvez pas vous décaler ou vous pouvez faire des moves dangereux. Sinon, vous êtes pénalisé ou ce genre de choses. Vous êtes vraiment plus américain. De toute façon, bump et puis portière contre portière en avant. Quoi. Bon, Paul, tu vas rester tranquille, hein, tu vas pas faire les portes. Moi, je peux pas te dire parce que j'ai aucune expérience de course, mais à regarder à la télé, je préfère regarder de l'IMSA que de la WEC, ça c'est sûr. Ouais. C'est sûr et certain, le spectacle, c'est ce qui fait vibrer les spectateurs, mais c'est surtout ce qui fait vibrer les pilotes. Enfin, les émotions qui sont transmises aux spectateurs, c'est ce qu'il y a dans la voiture. Après, la frustration comme l'explosion de joie, mais c'est sûr que moi, je suis un pilote qui serait moins à se mettre au contact, qui serait plus à, je sais pas comment expliquer, au karting. Avec mes plus belles batailles de karting, c'était pas de cadeau, mais je te laisse la place d'un kart. C'était, j'avais un oui. Truc au kart, c'était comme on voit le casque au kart. Moi, j'avais un jeu, c'est que je gardais la tête droite et je regardais à droite, c'est juste les yeux, je bougeais pas la tête comme ça. Le mec derrière moi savait pas si je le voyais ou pas, et je regardais juste au niveau, tu vois, au niveau de mon panton, ce qu'il y avait. Et en fonction de ce que je voyais, je laissais 7 places et pas plus. Et ouais. Du coup, ça perturbait pas mal de pilotes. Mais avec un pilote, on s'est bataillé. Je vais le citer parce que voilà, c'est mon grand pote de karting, Alexis Marquez. Oui. Et en fait, c'était des combats où on se touchait pas, mais ça a passé au millimètre. Mais c'est tu t'auto-spotais, j'allais dire. Ouais. Très, très bien. Et donc, tu bougeais pas la tête. Parce qu'en fait, oui, si tu bouges la tête, ça trahit en fait, le fait de tes sous pression. Moi, je sais que si je voyais un mec qui se retournait devant moi, ouais. J'ai beau être 2 mètres derrière, je plongeais au frein. Parce qu'il m'avait vu. Et du coup, de savoir qu'il m'a vu, moi, ça me disait, je peux y aller. Et c'est ce qui se passait. Au début, je me retournais. Et à chaque fois que je me retournais, je me faisais doubler. Donc, j'ai compris ça. Et en fait, avec cette technique, je me faisais beaucoup moins doubler. Et avec des pilotes, ça se sortait. Parce que, ouais. Voilà, c'est sûr, y a du contact. Mais moi, je sais que je suis un pilote qui après, j'ai changé. J'avais 13 ans, j'avais 15 ans, quoi. Du coup, mais c'était. Moi, j'aimais pas les mouvements au freinage. J'aimais pas. Dans mes défenses, si je freine à l'inter, je restais à l'inter. C'était. C'était un peu, je restais gentleman, mais je faisais pas de cadeaux. D'accord, intelligemment, bataille intelligente. Et puis, de toute façon, c'est ça globalement. Et puis après, si tu es dans le dernier virage du dernier tour, Contre, dernier virage du dernier tour, je me réserve les coups un peu. Oui, tu peux bumper. Hein. Allons-y. Hein. En Ascaro Winner Series, c'est vrai que la distance se fait, j'ai l'impression, facilement entre les voitures. Je ne sais pas si c'est dû à quoi, mais sur circuit routier, enfin sur les circuits routiers que vous faites, il y a des batailles, etc. Mais au final, ça s'étire assez facilement. Je ne sais pas comment vous en pensez. Je parle sous votre contrôle parce que c'est vous qui y roulez. Mais... Ça reste quand même plus collé que de la monoplace, parce que monoplace, ils ne peuvent pas suivre. Mais moi, en tout cas, j'ai vu de. Tu vois, je ne suis pas trop d'accord parce que j'ai vu de putains de batailles. Mmh. Et en fait, la différence, ça se fait au pilotage. Mais un pilote qui est aussi rapide ne va pas perdre du temps sur un mec comme en formule parce qu'il a du dirt tier. Du coup, pour moi, la NASCAR, ouais, je n'avais pas vu comme ça. Tu vois, c'est une catégorie qui. Ça. C'est collé. Ça doit être parce que j'ai vu trop Alondé devant pendant longtemps. C'est pour ça. je dois être habitué à avoir tout le temps les mêmes mecs devant. C'est Lucas qui a roulé super longtemps, mais moi, je le vois plutôt comme ça. D'accord, non, mais pas de souci. Et c'est aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est Jacques Villeneuve qui a enfin gagné entre guillemets, deux courses. C'était l'année dernière, c'était l'avant-dernière épreuve, c'était quelle épreuve déjà ? C'était la dernière. Mmh. Et c'était là où on voit le niveau de l'Euro NASCAR 1, un pilote comme Jacques Villeneuve qui, dans une année, a gagné deux courses, où il y a 14 courses. Enfin, après, oui. Il les a pas tous faites, mais c'est là où on voit le niveau qu'il y a dans cette écurie. Villeneuve, il joue les top 5. Il joue pas la première place à chaque week-end, ça joue les top 5. Et c'est là où tu vois le niveau de malade qu'il y a dans cette catégorie. Et il n'y a pas, c'est le qui roulait. Hein. Pardon, pas Lucas. En fait, c'est vrai que c'est compliqué. C'était son circuit d'essai. Ils avaient roulé pas mal en fait avant. Je pense qu'en fait, il avait un dixième et demi, deux dixièmes pour le plus vite
que l'ensemble. On a terminé la course, je crois qu'on est les 5 ou les 6 premiers par choc, dans par choc. Voilà, on avait une très belle course aussi à Rijeka où on se retrouve à 5 ou 4 ou 5 en fait, un paquet de tours, un coup à toi, un coup à moi. Donc on a eu de belles courses, ouais, le pack en fait, le pack était vraiment vraiment bien bien regroupé, et c'est vrai que là à Vallelunga c'était bien serré. Hein. Et tu fais du coup 4e et 3e, je viens de regarder, sur les deux dernières courses. Jacques était vraiment, d'ailleurs on en a pas, j'en ai parlé avec lui, hein, mais j'ai dit là t'avais le petit truc en plus, il me dit ouais, là on était un poil mieux que d'habitude quoi. D'accord, c'est le fait qu'il soit moins bien, est-ce que c'est dû aussi au matériel ou pas? Je me suis posé la question moi. Non, il a matériel avec une voiture neuve, il partageait pas sa voiture elle roulait que pour lui. Ouais, d'accord. Sa caisse, elle était top de chez top. Il y avait tout ce qu'il fallait. Donc non, ça en aucun cas. Après, c'est un mix entre le pilote, l'équipe, les réglages. Et donc là, à Vallelunga, ils avaient bien préparé leur coup. Ils étaient basés à côté, enfin pas très loin, et ils ont vraiment fait pas mal de journées. Et ils étaient un poil mieux. Voilà. Et ils ont fait la différence et il a gagné. Il s'est imposé sur les deux courses. Ouais. Et c'était pas sans bataille, hein. Il avait dû batailler quand même. Ouais, mais Jacques, ouais. Mais c'est un battant, hein. C'est ouais, incroyable. On s'entend bien tous les deux parce que en fait, il a du respect pour ce que je fais parce qu'il sait ce que je fais et comment je le fais. Ouais. J'ai du respect parce que moi, j'ai également roulé avec lui. Un coup c'était moi devant, un coup c'était lui derrière, et des fois ça a été l'inverse. Et je suis allé voir plusieurs fois à la fin, ils ont été un putain de malin parce que lui comme moi, on s'est vu faire des choses que les autres ne font pas, et ça on le fait, donc en fait on s'est bien reconnu quoi. Et donc, deux trois fois on a fait des courses, de belles courses ensemble, parce que voilà, après ça nous arrivait de nous toucher, de nous engueuler des fois, d'être un peu chaud à la fin et chaud. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Il m'a même approché, vous voyez, on s'entend bien, il m'a même approché pour peut-être pour le karting. En fait, mon fils fait du kart et Jacques a une marque de karting. Et, oui. Mais, voilà, on s'apprécie. Et... Bah c'est comme non, Tagliani, lui, il est en partenariat avec une marque de kart, je ne sais plus c'est quoi, italien, je crois. Pareil, il a tout un truc de développement pour pilote de kart et il a créé donc Tagliani son aussi en passage. C'était quand je l'interviewais, c'était juste avant qu'il crée aussi son grand centre de karting indoor électrique. Enfin bref, mais c'est très sympa la rivalité avec Jacques Villeneuve, c'est très intéressant et j'ai aucun doute sur le fait qu'effectivement vous devez vous batailler mais bien comme il faut et c'est j'aurai l'œil plus avisé quand je regarderai les courses si vous êtes proches l'un de l'autre. Ça va être vachement intéressant à suivre. Ouais. Après, on s'est fait des courses où on s'est mutuellement aidé pour revenir, notamment en Croatie. On partait, je crois, 6 et 8, et on se retrouve 2 et 3, et juste derrière le mec qui est en tête. Et, ouais, il avait fait une petite erreur, j'ai tenté, on s'est touché un peu, et on a pris. Chacun une petite pénalité, et puis voilà, mais... une pénalité, d'accord. Et voilà. Alors, Paul, du coup, sur toutes tes expériences que tu as eues jusqu'à maintenant, le circuit que tu as préféré, le circuit que tu penses que tu vas le plus performer l'année prochaine, ça serait quoi? Waouh, cette question, elle est... comme je t'ai dit, c'est monté crescendo toute l'année, donc celle où je me suis senti mieux, c'est la dernière. Mais... Je sais pas, j'ai un feeling pour la Croatie, moi. Il y a un truc où j'étais bien dans cette piste. Tu vois, feeling, je me sentais bien. Vallelunga, j'ai adoré. C'est le premier secteur à Vallelunga, c'est quelque chose. Mais je sais pas, je dirais peut-être la Croatie. J'ai adoré la piste. C'est, tu vois, j'ai senti que je vais peut-être avoir un truc ou je sais pas, mais j'ai bien aimé la Croatie. D'accord. Lucas, toi, tu as une piste préférée sur le calendrier NASCAR Winner Series? Pas tellement, je t'en fous. J'adore Valencia, j'adore Vallelunga.
Même la Rijeka, en fait, en Croatie. Voilà, j'aime bien. Après, c'est pour moi, je m'amuse quand j'ai la voiture qui fait ce que je veux. Je m'amuse partout. Mais Valencia, parce que Valence en Espagne, c'est un circuit qui était beaucoup dans les championnats de GT, je crois. Donc tu Ouais. as été amené à le faire déjà plein de fois avant. Non, moi je l'ai fait en F3 beaucoup. Je l'ai fait en F3 en fait quand je roulais en F3 Espagne. Et je l'ai beaucoup fait après avec Michelin quand je faisais les tours avec la F1 biplace. Et j'ai vraiment limé énormément là-bas. Mais voilà, je pense que Valencia ou comme Vallelunga, en fait, j'aime autant le circuit qu'en même temps le pays. C'est-à-dire que la zone là-bas, je me sens bien, on va vers le soleil, c'est sympa. Vallelunga, c'est Rome. Voilà, j'adore l'Italie. Donc voilà, je pense que c'est en fait c'est un tout qui fait que le circuit est sympa, ça Ah roule, il y a ouais, des trains, le c'est voilà. Valence, c'est un circuit magnifique, hein. Voilà. Enfin, Villers. Vallelunga, sincèrement, Vallelunga, c'est vraiment vraiment top. Et comme dit Paul, le premier secteur, il est bien. Le dernier, il est beaucoup plus lent. Et donc en fait, ça demande à vraiment se calmer. Il faut voilà, Rijeka, c'est un petit Mugello qui monte, qui descend avec d'énormes bankings. Voilà, c'est vraiment vraiment sympa. Donc je dirais qu'on a un calendrier avec des circuits rapides, donc avec de la haute vitesse. On a des short tracks du style Brands Hatch Zolder. On a un Oui. peu en fait. Voilà. Donc en fait, c'est assez varié et voilà, c'est ce qui est intéressant aussi. Hein. Paul, tu as une appréhension pour Brands Hatch, vu que tu l'as jamais fait? Bah, comme il y a quatre virages, non. Mais après, bien sûr, je vais pas du tout. En fait, je vais toujours avoir le même mindset. Mais tu vois, non, Brands Hatch, c'est pas la piste qui me. Le premier virage est très dur. Ça, je le sais. Enfin, c'est des petits virages très durs. Mais comme en fait, il y a très peu de virages, en fait, on fait beaucoup de tours. Donc, ça fait qu'on peut on peut beaucoup travailler. Tu vois, ce serait plus. Si j'avais pas roulé. Une piste comme Rijeka me ferait plus, tu vois, douter que Brandach, je pense. Après, aucune expérience, donc c'est pas pour ça que je vais venir, je vais jamais changer mon mindset parce que j'arrive sur une différente piste. Mais non, Brandach, non. En plus, sur le bon, c'est les jeux, mais sur les jeux, c'est toujours une piste où j'étais à l'aise. Donc, en vrai, non, pas vraiment. Et bah, tu sais, comme je t'ai dit au début, je me pose jamais trop de questions avant d'y être. Si je stresse pas avant une course une semaine avant, c'est que tu vois, dans ma tête, je me dis pas que la semaine prochaine je suis en course. C'est en fait, j'ai ma routine d'entraînement, je m'entraîne, voilà, mais je changerai jamais mon mindset et me mettrai jamais la pression avant d'y être, quoi. D'accord, mais c'est vrai que bah, Brands Hatch, peu de virages du coup, pour la version bah, nationale, enfin course, on va dire, Midi, ce que c'est que vous faites. Du coup, est-ce que ça resserre pas un peu la compétitivité, vu qu'il y a, enfin c'est tout le temps la même chose, ouais. c'est vraiment la régularité qui prime, enfin est-ce qu'il y a une Ouais, c'est le cas de particularité, le peut-être dire, un mais truc? comme ils font le tour en quoi, 40-50 secondes, je m'en rappelle plus. Les chronos, je me souviens jamais, mais c'est moins d'une minute, ouais. Donc en fait, déjà quand tu roules 40 secondes, un écart de 2 dixièmes, c'est énorme. Parce que 2 dixièmes à 40 secondes, c'est pas 2 dixièmes en 1 minute 50. Donc Ah bah oui. c'est pour ça. Donc là, en fait, la qualif, ça se fait à rien du tout, je pense, Bandage. Ouais, c'est serré, il faut trouver le tour clair. Voilà, le petit truc fait que, bah, que ça peut un dixième ou un dixième et demi, c'est beaucoup, hein. Mais enfin, c'est beaucoup. C'est suffisant pour mettre 4-5 voitures. Ouais, c'est des D'accord. grosses qualifs de cartes. Mais ça doit être mais du coup, ça doit être marrant, parce que du coup, tu es tout le temps sur le même. C'est une piste très rapide, enfin très rapide, dans le sens où tu boucles un tour assez rapidement. Et du coup, ça te permet de, bah, comme dit Paul, c'est-à-dire faire beaucoup de tours et faire beaucoup de travailler pour beaucoup de peaufiner ton pilotage. Du coup, est-ce que ça rend plus confiant plutôt qu'un long circuit où tu as une grosse longueur et puis. Non, je pense pas, non, Non? non, 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 parce que le travail reste le même. Il faut être encore plus méticuleux pour arriver à créer le gap. Après la course, c'est toujours des courses où on se suit, où il y a des accrochages, où ça se touche, voilà, où il y a un drapeau jaune. Quand il y a un drapeau jaune, on revient, un restart.
ça rappelle notre drapeau jaune. Donc, je crois que l'année dernière, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que sur une de mes courses, on a dû en faire 3 ou 4, en fait. Donc, un coup, tu es à l'intérieur, un coup, tu es à l'extérieur, un coup, ça part bien à la corde, un coup, ça part mal. Voilà, donc, c'est une course qui est un peu rugueuse, ouais. Qui est rugueuse tous les sens du terme. Voilà. Ok. Et te retrouver, Paul, l'année prochaine avec, par exemple, à rouler contre d'autres pilotes français comme Ulysse Delso, est-ce que tu penses que tu vas les mettre en difficulté ou... Alors ça, c'est pas du tout un truc que je me pose. Ulysse, ouais. Et moi, on n'est pas du tout dans un même stade de carrière. Ulysse, il est là pour confirmer, moi, je suis là pour apprendre. Du coup, tu vois, je suis pas du tout là en mode je vais lui faire peur, je vais tout faire pour l'intimider. Ah non, mais après, comment tu, par rapport justement à ces pilotes qui ont plus d'expérience, comment tu penses que tu vas te situer au niveau du classement, par exemple? Ouais, ben justement, c'est le flou pour moi, donc je me pose pas de questions. Du coup, tu vas tout découvrir, de toute façon. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Donc voilà, je l'ai dit à Lucas plein de fois, moi, mon objectif, ça va être que j'arrive le vendredi et que le dimanche, je sois un meilleur pilote. Ça va être rien d'autre. Ça va être... je vais bien sûr, je vais essayer de faire de super résultats, mais ça, je vais pas venir dans un week-end en me disant, bon, allez, celle-là, je la gagne. C'est mon objectif, je la gagne. Ça va être, je vais rouler, je vais voir mes problèmes, je vais me focaliser sur mes problèmes, et en sortant du week-end, je suis un pilote meilleur. Et d'ailleurs, ce que tu dis, c'est intéressant parce que tu en as parlé tout à l'heure. Tu as dit, je suis coaché mentalement, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qu'on te fait quand on coach mentalement? C'est quoi les conseils? Sur quoi on va te dire de focaliser, par exemple? C'est assez long à expliquer, mais en gros, il y a deux types d'axes. C'est soit on se modifie nous, soit on va bosser en visualisation. Je dis n'importe quoi. Là, je travaille. C'est assez complexe à expliquer, mais je travaille sur, entre guillemets, faire bosser mon moi compétiteur, le moi qui veut chercher et tout. Et donc ça, c'est voilà. Et on fait aussi de la visualisation. Et la visualisation, en fait, c'est qu'on s'imagine, on y est. C'est simple à dire, mais ce n'est pas simple à faire, de vraiment tout s'imaginer. Et en fait, c'est là où j'ai vu la puissance de la prépa mentale, c'est à Most, justement, là où j'ai vu que j'avais fait un gap comparé à Valencia. Je suis arrivé, je suis monté dans la voiture. Et si j'ai de suite été à l'aise, en fait, c'est que j'ai fait de la visualisation. Et je me suis choqué à me dire que c'était la première fois que j'y étais, mais dans mes muscles, c'était une routine déjà. Je ne sais pas t'expliquer, en fait, je ne connaissais pas encore super bien la voiture. Et j'avais le feeling que mes passages de rapport, c'était là. Et je ne me posais même pas une question. Mes mouvements de pied, ils étaient… parce que ça aussi, c'est un truc que j'apprenais. C'est passer de l'accélérateur à fond, lâcher et mettre le frein. Et ces mouvements, tu sais, des fois, j'étais un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Et là, à chaque fois, c'était la même chose, la même chose, la même chose, la même chose. Un endroit parfait pour mon talon pointe. Et justement, la prépa mentale, mais c'est un truc de fou. C'est que, en fait, je suis arrivé à Most en ayant déjà roulé à Most. Ah ben, c'est intéressant. Et j'avais une question aussi pour vous deux. Pourquoi, finalement, la NASCAR, bah après, tu as rencontré Lucas, etc. Et pas, par exemple, le GT. Pourquoi tu n'as pas tenté, par exemple, une sorte de Carrera Cup comme a fait Lucas, ou je ne sais même pas, je ne connais pas les trucs de GT ou quand tu commences, mais pourquoi pas ça? Et pourquoi J'ai pas envie de critiquer ceux qui font ce choix, mais je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus un bon choix de... Après, ce qui est sûr avec partir en Porsche Cup, c'est que tu as le constructeur derrière toi si tu performes. Mais c'est une saison qui coûte, je sais pas les prix, mais c'est sûr que c'est pas les prix de la NASCAR. Je crois que ça doit être un million, non? Ça doit être un truc comme ça, non? De 200 à 250 000 euros. Ouais. Ah, d'accord, ok. Donc voilà, c'est deux saisons de NASCAR, entre guillemets. Ouais. Et voilà, bah, j'ai eu des propositions pour rouler en F3. Non, du coup, pour le budget qu'ils proposent, c'est impossible. Bah, F3, c'est, du coup, c'est entre 500 000 ou ça doit être un truc comme ouais, ça. Ouais, mais j'avais eu une proposition pour 800 000. Ouais, voilà. Donc non, et en fait Lucas est venu, nous a expliqué ça, et en fait on est en train de chercher les points négatifs de la NASCAR. Il y a monocoque, tout le monde a le même châssis, tout le monde a le même moteur, c'est le pilotage à l'ancienne. En fait, je l'ai vu, j'ai roulé en midjet et je suis monté dans la midjet, et on m'a beaucoup vendu la midjet étant une bonne voiture, quelque chose compliqué à piloter. Et en fait, dans la midjet, je me suis un peu ennuyé.
C'était sympa dans les virages, mais en ligne droite, ça ne poussait pas. Et c'est quelque chose qui coûte aussi cher que la NASCAR, en fait. Et ce n'est pas le même truc. C'est un championnat de France. Là, on est dans un championnat d'Europe. On a une visibilité avec la NASCAR États-Unis. Oui, il y a un lien. Il y a un lien. Et en plus, c'est encouragé par... on en parlait, l'iRacing, puisque l'iRacing est diffusé. Du coup, ça mélange les pilotes de NASCAR Wheel & Auto Series avec des pilotes d'Oval. Et ça, c'est excellent, ça. Et ça, c'est... Bon, là, je vais utiliser une expression de Lucas. Mais quand tu mets un euro dans la NASCAR, il y a un endroit où tu le récupères. Alors que tu mets un euro en F3, ben, tu as mis un euro. Ah non. c'est très bien résumé, j'adore. C'est exactement ça. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'il faut avoir comme réflexion, c'est se dire, je veux faire quoi dans 2 ans et dans 3 ans. Si tu veux faire de la monoplace et que tu as... je ne sais pas moi, minimum, au moment où tu commences en F4, que tu sais que tu as 3 millions d'euros devant toi, tu sais que tu vas faire une ou deux saisons d'F4, que tu vas faire la Formule Renault ou de la F3, où ils ont tellement de catégories maintenant que tu ne sais même plus laquelle choisir, en fait. Oui. Et que tu arrives tu fais une première année d'F2, il te faut minimum, il te faut 5 millions d'euros, en fait. Oui. Si tu sais qu'en commençant la première année, tu te dis je fais la F4, je vais essayer de trouver le complément dans 3 mois, c'est déjà mort avant d'avoir commencé, quoi. Parce que tu as d'autres gamins qui ont eu plus de moyens, donc qui ont eu plus de temps pour se préparer, qui sont peut-être pas forcément meilleurs que toi, hein, de bons pilotes, mais pas forcément meilleurs que toi. C'est juste qu'en fait, à ce moment-là, ils ont plus roulé, ils sont mieux préparés. Si tu es mieux préparé, tu es devant. Hein. C'est tout. Hein. Donc, l'avantage en fait de la NASCAR, c'est comme je disais à Paul, c'est que oui, tu passes du kart à la NASCAR. On va faire le Club Challenge la première année pour te préparer. Donc, il y aura des moments où tu seras un peu frustré parce que tu aurais aimé, tu aimerais aller plus vite ou forcer un peu plus. Mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de jouer ton championnat de Club Challenge. Mais en même temps, je vais te préparer en fait pour que tu sois bien en fait en Euronascar 2 et que quand tu arrives en Euronascar 2, tu sois préparé. Et donc là, ton euro, l'euro que tu as mis dans le Club Challenge, tu en as cramé 50%, 50 centimes. Mais les autres 50 centimes, comme a dit Paul, tu connais les circuits, tu connais les règles, tu connais les personnes, tu connais l'équipe. La voiture. La voiture. Et tu t'es préparé pour aller chercher autre chose en année 2. Donc forcément, tu as placé en fait, comment dire, ton budget dans quelque chose qui n'est pas cramé instantanément au moment où tu l'as posé sur la table. Voilà. Et je pense que ça, c'est pour tous les jeunes qui cherchent, il faut avoir ce type de raisonnement-là parce que sinon... Et je suis bien placé pour en savoir, c'est que ce que j'ai fait moi à l'époque en Formule Renault, je ne pourrais même plus faire une saison d'F4. C'est-à-dire que je ne pourrais plus démarrer. Il n'y a plus Elf, il n'y a plus les partenaires qui étaient là à l'époque qui nous aidaient, parce que j'avais fait le volant Elf et donc j'avais gagné la bourse. Mais on pourrait plus. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus de pilotes en fait en France, dès la base. C'est qu'il y a une sélection qui est faite par l'argent directement. Et non plus par une certaine dose de talent. Voilà. Et la NASCAR, elle rend un peu ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui est aujourd'hui un gamin qui est bon, qui a roulé un peu en kart, on connaît tous un peu les budgets de kart, qui veut passer en voiture, il n'a pas 36 catégories en fait. Et donc, surtout, c'est que Paul, qui a aujourd'hui 18 ans, il a 18 ans, hein, faut bien se rendre compte. Hein, très jeune. C'est que il est dans une catégorie avec des professionnels, avec des gens, alors même s'il ne se bat pas en pro encore contre moi, mais oui. Il est au contact de pilotes qui ont, Jacques Villeneuve, tous ces pilotes-là, qui ont énormément, Marc Goossens qui a roulé en 3000, qui a fait des tests, tout ça, F1, ou Patrick Lemarié qui a fait des milliers de kilomètres dans une F1 avec Barre, il est au contact en fait de ces personnes-là. Donc, il passe d'un statut de jeune kartman, comme il a dit, à quelque chose de professionnel. Donc, il y a une réelle histoire à raconter. Et donc, ça aussi, pour le pilote, comme pour les partenaires, c'est hyper important. Et le deuxième point, c'est qu'à cet âge-là, aujourd'hui, la passerelle vers les États-Unis, c'est plus réellement une passerelle, c'est collé, en fait. Il y a 20 ans, c'était compliqué d'aller rouler aux États-Unis quand on était français. Voilà. Aujourd'hui, les personnes de NASCAR sont là. Enfin, je veux dire, on envoie un email, c'est la même chose que quelqu'un qui est en France. Hein. Après, le budget quand même est roi hein, dans les catégories nationales de NASCAR. C'est assez cher. Quand tu vois Raphaël Lessard, il a déboursé des millions pour. Après, c'est la Kyle Busch Motorsports hein, pour être dans un top team.
mais quand il était quand pour la photo qu'il a armé où il a gagné à Talladega, c'est des millions qu'ils ont déboursés en termes de sponsoring et tout pour faire une saison complète. Après, il est passé à la GMS, il y a eu des clashs avec les sponsors, bah, il n'a pas fait la saison complète. Voilà, merci, au revoir. Et puis maintenant, bah, il n'a plus de sous. Ouais, après, aux États-Unis, c'est trop cher. Ouais. En fait, tu ne peux plus revenir. Aux États-Unis, c'est vrai que c'est cher. Mais je pense qu'en fait, bon, moi, j'ai eu la chance de rouler sur oui. Nova. Je voulais en parler d'ailleurs. C'était en 2011. Très sincèrement, on est venu, moi, ça a très bien fonctionné. On est venu me proposer de me passer des amortisseurs, de me prêter des moteurs, comme ça, comme on dit vulgairement, au cul du camion. Et moi, j'étais déjà réengagé en France, parce que c'était au mois de février. Mais donc, en Europe, je n'ai pas pu. Si tu es bon, en fait, vraiment bon, et à un moment donné, tu as toujours l'opportunité avec quelqu'un qui va venir t'aider. Ouais. Qui va te proposer quelque chose, juste une lampe de lancement. Une rampe de lancement. Et ça, on le sait tous, hein, ça fonctionne énormément comme ça, en fait, là-bas. Par contre, il faut être bon. Ah oui, et pour pouvoir être bon, il faut être préparé. Mais c'est comme, à chaque fois, je reviens à cette référence, mais c'est comme Étienne. Alors, Étienne, je vous ai raconté un peu son histoire, vous ne connaissez pas trop, mais c'est un Québécois donc, qui est chez Bubba Wallace, mais il n'est pas arrivé chez Bubba Wallace comme ça, comme par magie. Et tu n'arrives pas comme ingénieur comme ça. Pourquoi il est arrivé comme ingénieur? Déjà, il était dans une petite équipe à la base. Il était avec Tommy Baldwin. Il s'entendait très bien avec lui. Ça s'est très bien fait. Il y avait une très bonne osmose, etc. Il a fait ses preuves avec Tommy Baldwin. Il était bon en tant qu'ingénieur, pas de souci. Bam, il passe à la Richard Childress Racing en Xfinity. Il gagne avec Austin Dillon en tant qu'ingénieur. Tac, tac, les petits bruits, tac. Il passe à la Living Family Racing. Et ainsi de suite. Living Family Racing, il est avec Matty Benedetto, Christopher Bell, qui tu veux, etc. Et après, nouvelle équipe, Michael Jordan, Bubba Wallace, boum, il rentre. Enfin, c'est vrai qu'il y a cette mentalité-là aux États-Unis qui est très intéressante. Alors, c'est vrai que t'as fait la KIN en 2011. Là, c'est le All-Star Showdown, je crois, un truc comme ça. Ouais, mais il y avait Bubba Wallace. Ouais, il y avait Bubba Wallace. Ouais, ça m'étonne pas, c'était à l'époque où il roulait dans les petites séries. Ouais. Et c'était un programme de diversité. C'est NASCAR Next, non? Non, ça s'appelait pas Next. C'était peut-être Rave ou Drive for Diversity. Oui, voilà, Drive for Diversity. Je confonds les programmes. Mais ce que je voulais dire aussi. Il y avait Suarez aussi. Oui, Suarez. D'ailleurs, Suarez, on en reparlera pour la Track House plus tard, mais bref, je reparlerai avec mes copains. On a eu un petit échange avec Madame Suarez, apparemment aujourd'hui sur Twitter. On a pu lui parler un petit peu. Voilà. Moi, je propose toujours des interviews parce qu'elle est francophone, en fait. Ah, ok. Hein. Donc, je me garde ça sous le coude. Elle a dit pourquoi pas une interview. Écoute, moi, j'oublie pas, moi. De toute façon. Mais comme tu disais, la NASCAR World Endurance Series, pour revenir sur ce que tu disais sur les budgets, sur etc., c'est vrai que du coup, en fait, c'est une véritable série de développement, en fait. Parce que tu te retrouves avec des pilotes, comme tu as dit, Jacques Villeneuve, champion de F1, etc., et tu peux t'imprégner de toute cette expérience, progresser sur des voitures en plus qui, bah, tu sais que du pilotage, en fait. Si tu sais pas piloter, bah, t'es à la rue, en fait. Donc, tu peux reposer sur rien, en fait. Ah ouais, t'es derrière. Non, il faut travailler comme sur d'autres types de voitures, comme sur de la monoplace, proto, mais il faut vraiment travailler. Mais je pense qu'en fait, aujourd'hui, clairement, on nous met sur un circuit routier, dans une bonne voiture, je ne dis pas une excellente voiture, mais dans une bonne voiture en cup, je pense que ça peut vraiment faire mal. Hein. Bah, j'ai hâte de voir. Tim Herzberg. Pareil. Là, qui va être au quota, donc ça va être Edzemans qui va être au volant. Ouais. Ça va être très intéressant à suivre. Alors, après, je mets un point d'interrogation sur le budget qu'ils ont parce que je connais pas du tout le budget qu'ils ont. Je sais pas quel moteur ils vont avoir. Est-ce qu'il y a une alliance avec une équipe de cup, peut-être? Moi, j'en sais rien. J'ai pas cherché d'infos là-dessus. Après, ce que je sais, c'est que Daytona par exemple, avec Jacques Villeneuve, c'était que du. Daytona, de toute façon, si t'as pas un très bon ingénieur, si t'as pas un très bon moteur, si t'as pas tout le matos qui va avec, bah t'es derrière. Hein. De toute façon, c'est simple. Et il a failli prendre deux tours, je crois, direct. Dès les premiers tours, sa voiture a perdu le draft. Merci. Voilà. Mais c'était prévisible, j'allais dire. À moins que t'arrives avec des valises pleines de dollars tout de suite et avec des mecs qui sont prêts à travailler avec toi, qui ont une très grosse connaissance de ce type de course. Mais voilà. Mais Jacques Villeneuve avait du coup cette fameuse licence
parce que je crois que Loris ne l'a pas en non. Super Speedway. C'est pour ça qu'en fait, il passe par des étapes, en fait, par différentes étapes de tests, de courses sur certains, peut-être certains types d'ovales. Là, il a roulé avec une truck, avec un truck, en fait, sur. Oui. C'était, mais. Ah, c'était Phoenix. Phoenix, voilà, c'est la dernière. Et ouais, donc du coup, il est validé pour Speedway, voilà, je pense. Il valide, en fait, les différentes étapes pour pouvoir se retrouver voilà, sur, dans la cup, sur tout le type de circuit. Mais le routier. Comme on disait, de toute façon, et comme je te disais, c'était avec Jeremy Clements. Jeremy Clements, je t'en ai parlé tout à l'heure en Xfinity, qui arrivait avec un châssis d'il y a plusieurs années. Il arrive, il gagne, tu vois, Paul. Donc, c'est un truc de fou, quoi. Jeremy Clements, je l'ai interviewé une fois. J'ai un bon contact francophone qu'il connaît très, très bien et il sera amené à revenir sur cette chaîne. J'adore ce pilote américain. C'est un mec, c'est pareil. Il sait régler sa voiture au poil et il est toujours performant. C'est un gars, même tu lui mets une voiture. Tu mets une voiture pas très bien élaborée, il arrivera à t'en faire quelque chose, tu vois. C'est... Et ce mec-là, tu le mettrais dans une voiture de top team, je suis sûr, il te met une pile, hein. Tu vois. Et lui, donc il a gagné sur circuit routier, donc du coup, moi, ça, j'ai hâte de voir ce que ça va donner cette fameuse Team Asberg avec, du coup, ça se trouve, ça va quand même niveler à fond les performances, le fait qu'on soit sur circuit routier avec un châssis unique, parce que c'est un châssis unique maintenant fourni par un prestataire. Donc tous ces paramètres-là, ça donne envie. On n'est pas sur une course, là c'est complètement différent. Et là, il y a une carte à jouer. Et comme on a pu voir sur iRacing, les pilotes de Road NASCAR, ils sont devant, ils sont dans le coup, largement dans le coup par rapport à des top pilotes sur circuit routier. Donc ça va être très très intéressant à voir, ça c'est clair. Je pense que comment dire, en tout cas, c'est la bonne année pour pouvoir le faire parce que les voitures ont changé, c'est neuf pour tout le monde. Oui, on va dire que même si la plupart ils repartent pas de zéro, hein, mais en tout cas, ça nivelle. Tu disais en fait, ça nivelle. Et pourquoi qu'il y ait un peu de pluie ou qu'il y ait des conditions un peu plus européennes, ça peut je suis sûr que ça peut vraiment faire quelque chose. Ouais. Voilà, le seul bémol, comme tu disais, c'est je sais pas non plus en ce qui concerne. Le comment dire, l'aide au niveau des moteurs, je crois qu'il loue les moteurs en fait, hein, donc je sais plus à qui. C'est ça la question en fait, parce qu'en fait en NASCAR tu as plusieurs possibilités, soit tu prends des moteurs réusinés, alors je sais pas si en Cup ils le font, je sais que dans d'autres séries ils le font, donc soit tu peux les acheter, soit tu peux les louer. Très souvent ça se fait en location quand t'as pas beaucoup de moyens. Parce que tu vas pas acheter des moteurs, ça coûte un bras, et donc soit tu peux louer des moteurs Richard Childress, donc c'est ECR par exemple, ECR Engines. T'as d'autres manufacturiers, je connais pas tous. Après, tu peux louer des moteurs Hendrick actuellement, ils préparent eux-mêmes leurs moteurs, etc. etc. Donc t'as tout un tas, parce que Tibia Ganassi c'était des moteurs ECR par exemple, etc. Bon, là ils sont avec des Ford Mustang, donc ils vont louer des moteurs Roche, j'imagine. Mais tu vois, sur un circuit routier, le moteur, c'est même si c'est pas un moteur, voilà, ça passe, tu peux t'en sortir. Et c'est là où ça va être, marrant. Ouais. Je pense. Et en tout cas, puis après, si vous avez des opportunités, est-ce que ça vous intéresserait, par exemple, toi, tu as fait le All-Star Showdown. D'ailleurs, tu en as pensé quoi, du coup, de cette mentalité, de cette voiture qui est complètement différente des voitures de NASCAR Modern Endurance Series, d'ailleurs, parce qu'on est sur des voitures pas symétriques en plus. Alors, je sais pas quelle voiture tu as piloté, parce qu'il y a quand même des voitures symétriques, mais qui sont pas avec des pièces réglées symétriquement. Donc, voilà, je m'entends bien. Parce qu'après, vous avez des châssis non symétriques, etc., en super light, enfin, voilà. Mais en termes de différence de pilotage, est-ce que tu as été surpris, Lucas ? Non. La seule chose qui m'a surpris, ça a été... je ne parle pas de la technique de pilotage sur l'ovale. Hein. La seule chose qui m'a surpris, vraiment, qui m'a mis un peu au début, dans une situation un peu délicate, enfin pas délicate, mais où il m'a fallu un peu de temps pour comprendre, c'était la démultiplication du volant. C'est-à-dire que quand on met le volant en fait, avec cet angle-là, on a une concordance, nous, une corrélation avec notre train avant. Et là-bas, quand je mettais le volant comme ça, les roues, elles avaient très légèrement bougé. Et ce qui fait qu'au début, je mettais beaucoup de volant. Je disais, la voiture, elle s'ouvre. Je s'ouvre, mais en fait, je ne tournais pas assez le volant. Et en fait, ils font ça sur l'ovale pour... je ne m'avais pas expliqué. Et en fait, ils font ça sur l'ovale pour que tu puisses être amené toujours à corriger. Et nous, si on fait ça, en fait, en Europe, on remet les roues. Oui, tu pars direct. Hein. C'est... Voilà. En fait, sur l'ovale, si les voitures, elles dérivent, pour pouvoir gérer ça, en fait, tu peux toujours faire ça, mais tes roues bougent très, très légèrement. C'est pas lié à ce que l'on connaît, en fait, en Europe. Et en fait,
pour moi, ça a été ça qui m'a le plus dérangé. Et parce qu'on ne sait plus trop où sont les roues, en fait. On ne sait plus trop comment elles sont et on a du mal à le sentir. Et puis, à force de rouler, bon, ben forcément, on prend le coup. Mais voilà, mais après, pour moi, c'était un super souvenir. Et c'était peut-être un de mes meilleurs souvenirs, forcément. Et Paul, tu penses que ce serait possible un jour d'amener Paul ou toi de te revoir sur une petite série qui ne demande pas beaucoup de budget, tu vois, l'équivalent, l'Arkham Menard aujourd'hui, donc Est ou Ouest, je crois qu'une course de 20 000 dollars, quelque chose comme ça, 25 000 dollars. De toute façon, c'est clair, Paul, c'est l'objectif. On va dire qu'à un moyen long terme, quand je dis moyen long terme, c'est, je compte ça en fait en termes d'années, parce que quand on va là-bas, en fait, il ne faut pas y aller en étant prêt à moitié. Il faut vraiment y aller en étant prêt, quoi. Mais vraiment prêt. Parce que si tu y vas et que tu n'es pas prêt, ou que tu es prêt, tu es dans le ventre mou, tu le sais comme moi, je ne vais pas te l'expliquer. Et là, c'est direct. C'est-à-dire que là, tu passes, tu es catalogué et c'est fini. Il faut aussi y aller, être bien préparé, préparer bien son coup. Et là, il faut taper, quoi. Et là, si tu tapes, en fait, forcément, tu vas avoir un peu plus, tu vas voir, ou en tout cas, tu vas avoir une opportunité, une. Et tu vas en avoir une. Très intéressant, parce que ce que tu dis, je l'ai retrouvé avec Jean-Philippe Bergeron, puisque comme tu l'as dit, tu peux te faire cataloguer très vite. Et en fait, Jean-Philippe Bergeron, donc il s'est fait remarquer, etc. C'est un pilote de prolet québécois, en fait. Et il s'est fait repérer tranquillement, comme ça, comme un pilote sérieux, machin. Ok, il travaille beaucoup, travaille fort pour progresser. Et il a une opportunité avec la David Gilliland Racing sur de l'Arca Menard Est ou Ouest. Je crois que c'était de la Ouest, ouais, j'ai un doute. Et pareil, hyper précis, hyper préparé. J'y vais, il va dans la voiture, il claque des résultats. Il y en a, ils viennent avec des valises de billets. Ils viennent à la Venturini, les mecs. Je pense à Tony Brenninger, qui est une pilote féminine notamment, qui vient avec des valises de billets, qui est une voiture de top team, style Joe Gibbs Racing, mais pour l'Arca. Et qui finit 10 places derrière Jean-Philippe Bergeron, qui a la David Gilliland Racing, qui performe tout de suite, il fait des top 5. Et donc, du coup, pour revenir à ce que tu disais, c'est que David Gilliland, il a vu le comportement de Jean-Philippe, il dit écoute, mec, t'es très pro, tu progresses, tu travailles très fort. Quand tu veux, si t'as le financement, tu reviens chez moi. Et du coup, ça crée une relation comme ça. Alors que si, effectivement, tu viens, t'es pas préparé, tu viens avec pas beaucoup de budget, bon, et tu te fais pas remarquer par cet esprit d'effort et que tu fais pas des résultats corrects, c'est-à-dire on va pas te demander de gagner, c'est quasiment pas possible, mais au moins que tu sois compétitif, c'est vrai que tu peux vite te faire cataloguer en disant bah, ce mec là en fait déjà il a pas de budget, en plus il a rien fait, donc de toute façon où tu viens au début t'as cassé un peu la tirelire pour te dire je vais me mettre dans une bonne équipe quelque chose, et puis en fait tu fais une course qui est plutôt pas mal, mais tu es moyen, tu es au milieu, hein, c'est mort, en fait. C'est fini. Mm. Et en fait, ce qu'il faut, c'est justement, et ce qu'ils aiment, c'est l'histoire. En fait, les Américains aussi, hein, c'est que moi, quand j'y étais, j'étais avec une combinaison blanche, personne ne me connaissait, je suis monté dans la voiture le matin, j'avais jamais fait d'oval, je découvrais la voiture, et en fait, j'ai fait une belle course, on a mis des coups de porte, j'ai mis un coup de porte, des trucs, et j'avais la télé ESPN qui était sur moi, ils m'ont donné un surnom, on m'a reconnu dans la rue, on m'a reconnu dans le paddock, on m'a reconnu dans un resto, 24 heures. Donc, et en fait, ils aiment ça. Et ce que je dis, c'est que là, aujourd'hui, pour Paul, en fait, c'est typiquement ça. Mais pour ça, en fait, il faut être hyper bien préparé. Il n'y a pas de demi-mesure, il faut vraiment y aller en étant hyper affûté, hyper bien construit. Voilà, et ça, comme je disais tout à l'heure, ça ne peut pas s'apprendre en fait en 6 mois, quoi. C'est pas possible. Ouais. Non, surtout la course sur ovale tombe tout de suite sur des. Parce que certes, tu auras des gens qui viennent avec des valises de billets, etc. Mais tu auras aussi, bien évidemment, des pilotes très très forts sur ovale. Hein. On en a cité un, par exemple, parmi un panel de noms que tu peux retrouver sur des courses d'Arca. Et tu peux tomber sur des futures grosses stars aussi. Comme toi, tu es Lucas, très très simplement. Hein. Bon, bah voilà, etc. C'est pas du tout surprenant que tu as pu les croiser à ce moment-là. Pareil, je crois que c'était. Je vais le citer, mais Michel Didier, par exemple, il avait, quand il était en Arca, pareil, il avait couru contre je sais plus qui, des très gros cadors. Parce que tu arrives, t'es pas chez toi en fait. T'es déjà dans un championnat avec son propre développement. C'est des mecs qui ont fait que ça. C'est des mecs qui couraient le dimanche.
sur un ovale en terre. Toi, tu arrives contre des mecs comme ça qui ont couru comme ça à 8 ans sur du midget ou du modified. Toi, tu arrives là-dedans. Si t'es pas préparé, tu te fais défoncer, en fait. C'est simple. Non, donc, c'est mathématique, c'est comme du Nice. Ils ont 8 ans, ils sont sur des petits midgets. À 10 ans, ils sont dans des légendes car sur de la terre battue, du goudron, de la terre. Il y a des courses tous les week-ends, avec des manches. Dans chaque manche, il y a 3 drapeaux jaunes. Je veux dire, quand ils arrivent, ils ont 15 ans, ils ont déjà fait des milliers de départs, en fait. Ouais. Et sur l'ovale, hein, dans différentes conditions. Et toi, tu arrives, tu as 20 ans, tu as roulé un petit peu, et forcément, c'est compliqué. Hein. C'est ça. Mais ce qui est vraiment dommage, c'est en Europe, on n'est pas un peu une filière ovale, tu vois. Un peu une filière ovale. Après, sur un circuit européen, peu importe lequel. Mais au moins, parce qu'on avait Vanray, non ? Ouais. Il n'y est plus, lui. Non, on l'a plus au calendrier, non. On l'a plus, mais je pense que même j'irai même un peu plus bas. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, quand des jeunes, tu vois, Paul, quand des jeunes ils roulent en légende car et qu'ils peuvent rouler à 10 ans en fait aux États-Unis, nous, à 10 ans, ok, tu vas rouler, tu commences un peu le kart. Mais forcément, la carte arrive à 14 ou 15 ans. À 15 ans, ils roulent dans les Cayennes, voilà, ou en Arca. Donc c'est pas la même. Moi je veux pas dire voilà, j'ai un petit garçon qui a 10 ans. Ben moi j'aimerais quand je vois ce que font ce que fait le fils Bush de Kyle Bush ou d'Arvik. Putain, mais c'est, en plus c'est super en fait. C'est pas que voilà, mais c'est super. Et en fait nous on a rien de tout ça en fait ici. Bah, on n'a pas les infras. Donc c'est pas les votes. Non, c'est incroyable. Ouais. Et à côté de ça, le kart coûte quand même assez cher ici, quoi. Donc même très cher. Donc là-bas, ces voitures-là, ça coûte rien du tout, quoi. Voilà. Bah, c'est à peu près, de toute façon, comme on disait, on parlait un peu moteur. En plus, d'ailleurs, si vous voulez parler moteur de NASCAR ou Euro Series, vous disiez qu'il faisait 400 chevaux, etc. Mais je parlais de ça avec Warren Knipper, qui est revenu un peu au States et qui fait du modified. Ouais. En fait, il fait du modified. Il adore le modified, ça y est, il tombe amoureux du modified. Et il a, c'est des moteurs Crate 602, donc c'est des trucs de 350 chevaux, etc. Mais tu vois, c'est un budget assez raisonnable. Un moteur, ça vaut 5 000 $. T'as la voiture, machin et tout. Bon, globalement, tu peux t'en tirer pour assez et faire des courses globalement le dimanche, voilà. Et puis bah, ces gens-là, avec leurs gosses, ils se payent une bagnole. Et puis toute l'année, ils font la saison avec, ils essaient de la préserver, bien sûr, un minimum de crash et tout. Donc, c'est là où si vous voulez, ça casse un peu aussi les idées reçues que les Américains sont des bourrins. C'est juste que c'est le style de la course qui est un style de contact, en fait. Mais globalement, les Américains, je veux dire, enfin, tu payes une bagnole qui est 20 000 $, 25 000 $, tu mets tout cet argent dans cette voiture, bah, tu ne vas pas la claquer comme ça. Je veux dire, ça ne marche pas comme ça, là, c'est pas la vraie vie, ça. Et donc, les gars, ils tournent beaucoup et tu vas tomber contre des gens comme ça. Et effectivement, bah, ils ont un très très gros niveau, que ce qu'ils ont fait du modified, de la terre, etc. Et comme tu disais, Brexton, soit Brexton Bush, Kylan Harvick, etc., ces gars-là, bah, oui, ils sont jeunes, bah, oui, ils sont un peu privilégiés d'un côté, mais c'est justement d'être dans ces filières où ils sont très très jeunes, ils vont devenir très très forts tout de suite, on va avoir des monstres à un moment donné de performance, et ça va être assez incroyable à suivre. Et Ty Gibbs, j'ai l'impression que c'est... Je mets encore des points d'interrogation sur les voitures qu'il peut avoir, mais j'ai l'impression que c'est ça aussi. Et quand Lucas Bilirac, par exemple, Lucas Bilirac, il avait fait un stage à Joe Gibbs Racing, en français, il est tombé, il a fait le stage à l'époque où c'était Eric Jones, Daniel Suarez d'ailleurs, et il y avait Ty Gibbs qui se pointait dans les garages de temps en temps pour aller s'entraîner avec Daniel Suarez. Et il disait, Ty Gibbs, avec l'âge qu'il avait, donc il était plus jeune encore que Paul Jouffreau, il allait en salle de muscu, enfin, il était mindseté, focusé, alors, je veux être le meilleur, point barre. Et j'y vais, je fais mon truc. Le mec, il s'est conçu comme une machine. Mais y a pas, de toute façon, il n'y a pas de secret. Et en fait, là-bas, ils ont quand même, ils ont toutes les infrastructures, comme tu disais, les infrastructures, les catégories et tout ce qu'il faut pour pouvoir vraiment en fait, te lancer et dire, allez, maintenant, si vraiment tu veux faire la différence, tu as tout ce qu'il faut. Et voilà. Et puis après... Ben forcément, hein, c'est le caractère, c'est tout ça qui prend le pas. Mais en tout cas, ils peuvent choisir aujourd'hui les armes assez vite. Et
Moi, j'ai encore été bluffé. J'étais à Daytona, j'étais encore été bluffé. Ça, je dis pour Paul, mais j'étais bluffé en fait de voir toutes les compagnies, en fait, tout ce qu'on voit comme magasin, des franchises à droite, à gauche sur la route. Bah, ils sponsorisent tous une auto, quoi. C'est un truc de, c'est incroyable, quoi. Si nous, on essaie de transposer chez nous, c'est impossible. Donc, voilà, ils ont quand même une. Et je pense que pour les bons, les bons pilotes, il y a toujours en fait une opportunité. Des pilotes comme Paul qui vont arriver au bout d'X années, avoir vraiment l'expérience, et à un moment donné, ils auront l'opportunité. Donc, ça, c'est ça qui est encourageant. Voilà. C'est ça qui est vraiment encourageant et qui fait qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il y a. On veut tous essayer d'en vivre, hein. C'est clair. Ah oui. Hein. On veut tous essayer. C'est clair. C'est le rêve ultime, hein, de toute façon. Exactement. C'est l'aboutissement. Exactement. Et donc, là-dessus, c'est pour ça que le choix de la catégorie, comme disait Paul, il est vraiment hyper important. Crucial. T'as une catégorie, toi, Paul, tu regardes un peu les différentes catégories qu'il y a aux États-Unis. Est-ce que tu as une catégorie que tu préfères? Ou même dans les. Parce qu'on connaît donc la NASCAR Cup, pour faire un bilan pour les gens qui ne connaissent pas trop la NASCAR aux États-Unis. Donc, tu as la NASCAR Cup Series, Xfinity Series, donc c'est aussi des voitures normales. Tu as la Truck Series, donc c'est des trucks. Après, tu as des séries locales, donc l'Arca Menard Est et Ouest, donc ça reprend des bodies. Classique de Water Cup, on va dire un peu, tout en ayant des performances voilà, bien moindres. Et après, tu as des séries régionales, locales, de late, de super late, donc avec des bodies, on va dire plus de voitures américaines. Ou est-ce que tu préférerais dans du modifié, tu sais, du modified avec des roues ouvertes, avec un assist très bas? Qu'est-ce que tu aimerais tester en premier? Franchement, j'en ai aucune idée. Parce que, en vrai, vraiment, j'ai pas une grande culture NASCAR États-Unis. Tu vois, je regardais Daytona 500 quand j'étais petit, mais c'est ouais. La seule culture que tu vois que j'ai tu vois, c'était tellement peu connu en Europe la NASCAR qu'à aucun moment je me suis dit que c'était possible pour moi de faire de la NASCAR en fait. Donc tu vois, j'ai jamais trop, du coup je serais même, tu vois, j'ai aucune idée. Parce que souvent, je vais te dire, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est du late model souvent. Parce que le late model, c'est assez abordable, en fait. Tu as le late model, tu as le pro late, c'est des bodies. C'est un peu ce qu'a fait Lucas, hein, parce que la KN, en gros, c'est très proche de ce type de catégorie-là en termes de performance et de châssis, etc. Donc souvent, effectivement, c'est ça. Et les pilotes québécois, souvent, c'est de là d'où ils viennent, parce que les Québécois et les Canadiens, ils ont beaucoup des séries de pro-late, comme ça, de late model, sur circuit, sur short track, de toute façon. Donc, ils ne sont pas dépaysés quand ils arrivent aux États-Unis et ils arrivent à pouvoir performer assez vite. Et la Pinty's, c'est encore un truc à part. Les voitures, il y a plus de budget, etc. Ils font de la course sur ovale et en même temps de la course routière. Donc, c'est encore un peu un ovni. Moi, je trouve que c'est un peu un ovni, mais bon, c'est une série de stock car quand même, mais qui est très compétitive. Il y a des très gros talents là-bas. C'est assez impressionnant, mais voilà, en tout cas, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas, hein, nous, hein. Voilà, et on serait ravis de toute façon de voir un Français, quel que soit la catégorie que vous faites, même si c'est de la petite catégorie régionale, locale, moi je serais toujours là pour vous suivre et pour échanger avec vous, parce que c'est passionnant, quoi. Ouais, super, ouais. Du coup, je voulais revenir sur j'ai arrêté de tousser, surtout je vois NASCAR 42. Salut. Je vais m'étouffer. Excusez-moi. Salut à tous. N'hésitez pas à nous poser des questions encore. Je voulais terminer sur Lucas, sur ton passé aux 24 heures du Mans. Je voulais avoir vraiment faire une petite aparté là-dessus. On en a parlé un peu en off. Ton expérience aux 24 heures du Mans, tu as fait une année, c'était en 2003. Qu'est-ce que tu en retires de cette expérience finalement? En fait, déjà, je me suis trouvé au Mans parce que fin 2002, je devais faire de la 3000 à l'époque et j'avais un programme qui était monté. Et en fait, j'ai 15 jours avant la fin, un partenaire qui a fait faux bond. Et donc, je me suis retrouvé à pied et sans programme, sans rien. Donc, au pire moment, puisque plus pouvoir se retourner. Et en fait, j'ai trouvé une opportunité avec une équipe qui s'appelait Cesio Florida, qui faisait rouler une Norma, donc une LMP 900, puisqu'à l'époque c'était comme ça qu'on les appelait, hein, pour les LMPA.
et pour faire un programme qui était Le Mans et 4 ou 5 courses aux États-Unis. Donc, il y avait Sebring, Road Atlanta, Road America. Bon, il y avait 4 ou 5 courses. Et parce que je voulais vraiment aller partir aux États-Unis, en fait. Voilà. Et donc, j'étais pour aller rouler aux États-Unis que réellement pour faire Le Mans. Et il se trouve que dans le programme, en fait, la première course de qui était prévue, c'était Le Mans. Et donc je suis arrivé au Mans, et on n'avait pas le temps de me mouler un baquet, donc j'ai pas pu mouler mon baquet, et je suis monté dans la voiture comme ça. Voilà. Donc le premier tour, j'ai fait un tour, je suis rentré, j'ai coupé dans la ligne droite, je suis rentré, j'ai dit j'ai besoin de souffler un peu, là il faut que je respire, et ouais, ça m'a vraiment plus que bougé, et voilà, on était la tête dehors. Le volant était excentré par rapport à mon corps. Moi, j'étais assis en fait en biais. Devant moi, j'avais vraiment devant moi, hein, j'avais vraiment le levier. Donc, c'était une position qui était un peu choquante et dans laquelle j'étais. Voilà, ça m'a bougé. Puis après, ben, forcément, on prend l'habitude et voilà. Et puis on y va. Mais voilà, c'était à l'époque où les artisans, enfin certains artisans. Pouvait construire une voiture et aller au Mans en fait un peu comme ça. Et j'étais dans une voiture qui était pas une Bentley puisque c'était à l'époque de l'année où Bentley gagne. C'était pas une Bentley, c'était pas une Pescarolo. Voilà, j'étais avec une voiture qui était un peu plus rustique, mais ça m'a bien servi. Voilà. À partir du moment où je suis monté là-dedans, je peux vous assurer, j'ai fait pas mal de tours avec une des premières F1 biplace avec les pneus Michelin à l'époque rainurés. J'ai fait beaucoup de kilomètres en Europe avec ça. J'ai roulé avec des grosses autos derrière, tout le reste c'était facile. Voilà. Et ouais. Non mais c'est impressionnant, surtout que tu étais déjà avec un V8 en plus. Ouais. C'était un V8 Ford qui était préparé par un préparateur NASCAR qui s'appelait Raphaël. Voilà, bon, il a cassé. Oui, c'est ça, vous avez abandonné sur casse moteur. Il a cassé pendant la nuit et voilà, j'étais prêt. Un de mes coéquipiers qui était au volant et je me suis réveillé pour prendre le relais. J'étais bien réveillé, j'étais prêt à y aller, mais c'était trop tard. Bah, c'est dommage. Tu avais fait combien de temps de relais du coup au total? J'ai fait de tête, j'avais dû faire 2 ou 3 heures, je ne me souviens plus trop, mais j'avais dû faire 2 ou 3 heures. J'avais roulé avec Nicolas Minassian à l'époque qui était avec la Pescarolo et le V6 Peugeot. Donc, mon moteur, j'ai mis en ligne droite. Il était carrément mis en châssis, mais j'avais fait mon relais. C'était pratiquement, je crois, 50 minutes avant de rentrer au stand. Et 50 minutes, 150 mètres derrière lui. Et je ne l'avais pas lâché. En fait, on avait roulé ensemble tout le relais. Donc, c'était. J'en garde un bon souvenir. Bah, écoute. Et. T'envisagerais de refaire ça, par exemple, je vais pas y arriver, je vais pas finir cette émission, les amis. Avec Paul, par exemple, Paul, toi, Lucas, est-ce que ça vous aimeriez refaire une participation au moins? Est-ce que c'est un objectif? Ouais, mais je prends le départ. Mais il va vouloir prendre le départ aussi, donc il en faut un troisième pour départager. Mais oui, bien sûr. Même sans faire Le Mans, en fait, avant, on peut aussi faire des courses, différents types de courses d'endurance. Voilà, ce qui marche dans l'endurance, en fait, c'est la complicité, l'échange. Voilà, donc oui, forcément. Et en endurance, c'est pas tout, parce que tu as fait aussi, et on en a parlé aussi en off, les 24 heures de Spa. Ouais. Cette piste. Est-ce que c'est une piste que tu aimes bien, le Spa-Francorchamps? Qu'est-ce que tu en as? C'est quoi ton expérience là-dessus? Alors, ouais, je vais même revenir un peu avec la Formule Renault avant, puisqu'en fait, la fois où j'ai découvert Spa, c'était en Formule Renault. C'était un mélange de championnat d'Europe et championnat de France. On avait une course qui regroupait les deux championnats. Et j'étais arrivé la veille, j'ai marché 2h45 avec mon plan de circuit pour regarder. Et voilà. Et le lendemain, je claque la pole absolue devant tout le monde. En fait. Donc, et tout. Et pour dire, voilà, le deuxième Français était 18e, il était 1 seconde 8 derrière moi. Donc, voilà,
J'ai adoré, dès que j'ai posé le pied là-dessus, là-bas, j'ai adoré ce circuit. Et voilà, je me suis toujours, à chaque fois, je me suis toujours régalé. C'est un circuit à part. Voilà. Alors moi, je suis plutôt fan, clairement fan, en fait, du circuit qu'il y avait donc en 99, avec l'ancien bus stop et non plus la dernière partie. Voilà. C'est la dernière partie parce qu'à la fin, alors que je me souvienne bien, parce qu'ils l'ont changé, alors je ne sais plus quand ils l'ont changé. Ils l'ont changé deux ou trois fois. Mais ça faisait juste, alors je n'ai pas envie de dire de connaître, parce que là, tu as une chicane, c'est ça ? Ouais. Et avant, elle n'y était pas. C'était avant, presque tout droit. Non, ouais, en fait, ça arrivait après Blanchimont, ça faisait un léger droit, un gros freinage et une toute petite chicane gauche-droite au ras d'un mur, et un petit bout droit et redroite-gauche, et ça revenait, ça arrondissait en fait devant les anciens stands. Voilà. Il faut regarder les vieilles vidéos de F1 de l'époque de Senna, voilà, cette époque-là, et il y avait encore les bandes blanches, les pointillés avant le raidillon. Vous assurez que dans le raidillon, le mur, tout revenait un peu plus, était un peu plus près. Voilà. Donc, d'ailleurs, le bus stop était simplement, c'était ce que tu voyais à la télé en fait. Hein. D'ailleurs, la ligne de départ n'était pas au même endroit. Elle était en descente. Elle était en descente. Ouais, c'est un truc de ouf ça. Mettre la... J'étais en talon pointe en fait au moment du feu vert. Sinon, si tu lâchais les freins, en fait, la voiture, elle avançait. Donc, c'est vraiment atypique de commencer en descente, quoi. Peut-être pour ça qu'ils ont arrêté, mais je sais pas. Mais parce que du coup, de l'autre côté, bah, t'es plat, ouais, t'as juste une chicane à faire et tu t'entames la descente sereinement, quoi. Enfin, sereinement. C'est assez long. T'es portière contre portière, faut faire le raidillon. T'es pas serein, t'es comme ça, je pense. C'est chaud. Donc, non, Spa, c'est un super circuit, que ça soit en GT3 ou le 24 heures de Spa ou en monoplace, c'est un circuit qui est à part. Voilà. Eh ben, en tout cas, j'étais ravi de vous avoir. Paul, alors, franchement, qu'est-ce que tu t'imagines, comme tu me disais, bah, l'Elite 2, tu penses, voilà, tu iras un peu au jour le jour, en fait, au final. Oui, complètement, oui. Et en tout cas, on va te suivre avec grand... j'allais dire, je ne sais même plus quoi dire. Mais en tout cas, c'est un super moment passé avec vous deux. Oui, c'était super. Vous êtes la bienvenue quand vous voulez. Si dans le chat, il y a encore des gens réveillés, parce que bon, 23h30, voilà, si vous avez encore quelques questions, n'hésitez pas à les poser. En tout cas, bah, Lucas, c'était un grand plaisir de pouvoir échanger avec toi sur ta carrière qui est juste impressionnante aussi. Tu seras, t'es déjà fort de conseils pour Paul pour le faire progresser et on va pouvoir observer tout ça, voir sa progression tout au long de l'année en Elite 2, voir s'il va performer tout de suite ou si effectivement ça va être vachement intéressant à suivre. Et puis avec ton équipe, la Suidhaus, qui est une très sympathique équipe avec de belles. Vous êtes en Ford. Vous êtes en Ford d'ailleurs, c'est ça? Ouais. Hein, toujours. Ouais. On verra 4 voitures, mais comme tu l'as dit, avec une structure vraiment bien précise pour voir. Donc ça va être très très intéressant à suivre. Et en plus, donc. Ça pourra faire plaisir parce qu'il y aura pas mal de pilotes français du coup qu'on pourra observer leur progression aussi. Il n'y aura pas que Paul, il y aura aussi on verra Néo Lambert peut-être sur une course comme tu disais. Il y a des choses à finaliser. Toi, tu seras peut-être vraisemblablement sur toute la saison Elite 1, Elite Pro du coup. Enfin, NASCAR Pro, ils appellent ça maintenant. Donc ça va être pas mal. Jacques Villeneuve, il fait la saison ou pas lui? Il n'est pas annoncé encore. Je sais pas. Ce que j'ai vu, c'est que son ami Patrick Lemarié était dans une des voitures ou en tout cas dans l'équipe dans laquelle était Jacques l'année dernière. Donc je pense qu'il faut attendre un petit peu pour savoir s'il roulera. Après, je pense qu'il a un peu pris avec ses obligations professionnelles. Donc je sais pas trop. D'accord. Après, voilà, il a aussi l'expérience. Je vais arriver. Il a aussi l'expérience aux États-Unis puisqu'il est amené à repiloter aussi en Cup Series. Donc aussi à suivre ça. Et en tout cas, bah, longue vie, j'allais dire, aux Français en NASCAR Wheel Norris Series puisque vous représentez bien la France. Et Lucas, c'est juste incroyable. Il va représenter. Moi, je commence à être un peu vieux, donc. Oui. Place un peu aux jeunes. Bah, pour un vieux, tu finis 3e tout le temps, 2e, 4e, bon ça va quoi. Pars pas trop vite. Hein. mais voilà, c'est des jeunes qu'il faut surveiller. Paul en fait partie.
Voilà, il faut continuer à bien travailler. Moi, j'ai confiance en lui. C'est aujourd'hui important d'avoir la relève avec, voilà, avec des jeunes qui ont la tête sur les épaules. Et voilà. Donc, il sait que je veille au grain en fait là-dessus et que je fais très attention à ne pas brûler certaines choses. Mais voilà, il faut continuer à travailler, être sérieux, rester focalisé sur soi-même. Les résultats de Paul, ils viendront quand ça devra venir. Mais il faut rester hyper lucide et dire je continue, je suis centré sur moi, je vais donner le meilleur de moi-même. Il n'y a pas d'objectif de résultat ou de résultat dans le temps, dans la durée. C'est saisir les opportunités quand elles sont là, c'est être bien préparé, ne rien lâcher. Et puis ça arrivera. Moi, j'ai totale confiance. Dans les capacités de Paul, dans notre process à nous et dans les capacités de Paul pour pouvoir en fait démontrer qu'il a la carrure pour le faire. Voilà. Paul, un mot de la fin, après ces belles paroles de Lucas. Bah, moi aussi j'ai une totale confiance en mon apprentissage que Lucas me fait. À aucun moment j'ai un seul doute. Ça aussi c'est bien que en fait on marche en duo aussi. On n'a aucun doute des deux côtés, donc c'est forcément. Voilà, et ce que j'aime bien dans l'apprentissage de Lucas, c'est qu'il est à l'ancienne, donc il va pas me dire un truc qui est bien si c'est pas bien. Et ça, c'est exactement ce dont j'ai besoin. J'ai été coaché comme ça en karting par Michel Lesgourgues, qui j'ai attendu avant d'avoir mon premier compliment. Et je pense que c'est ça qui m'a appris à toujours vouloir chercher plus. Et d'ailleurs, j'ai une question qui me vient du coup, mais je terminerai là-dessus. C'est bah, Lucas, tu le spots en fait. Tu spots Paul quand il pilote. Ouais. Et toi, qui te spot, Lucas, du coup? Personne. Moi, c'est mon meilleur ami et qui fait partie prenante donc de l'équipe et de toutes les aventures et qui me connaît très très bien depuis très jeune et je le remercie voilà, encore. Mais voilà, il me connaît bien, il sait comment me parler, il sait comment me calmer. Et je sais à certains. Si je m'énerve un peu à la radio, j'emploie des mots un peu forts, il sait me calmer, on en rigole après parce que je sais comment il est et il sait comment je suis. Et donc voilà. Mais on passe des bons moments. Paul le connaît très bien aussi, c'est quelqu'un de très bien. Bon, on lui passe le bonjour en tout cas parce que quand même ton meilleur ami, il doit y avoir une grosse relation entre vous, ça doit être intéressant aussi. En tout cas, merci à vous d'avoir été ici au Prascar. Première interview d'Iscar Euro Series que je fais. Ça faisait longtemps que je voulais en faire une avec des pilotes français où vous êtes, où vous représentez très bien la série. Et puis voilà, donc en plus j'ai rencontré Ulysse Delsoy il n'y a pas très longtemps. Donc vraiment faire une sorte de communion, je vais dire, entre pilotes français. On représente très bien le sport et c'est très sympa. Et développer vraiment cette culture aussi NASCAR, c'est aussi l'objectif. Puisque bah voilà, la NASCAR Winner Series, comme on l'a dit, c'est une très bonne série de développement au final. Ça permet quand même pas mal d'opportunités. Et c'est très bien, ça permet à Paul, par exemple, de pouvoir s'exprimer sur la piste avec des grosses voitures tout de suite, sans pour autant avoir un budget incroyable à devoir sortir. Maintenant, voilà, on en a parlé. Donc Après, voilà, ça reste quand c'est. même un gros budget quand même, mais c'est Ah surtout bah, comparé à ce qu'il y a à côté, effectivement. c'est. Il faut quand même. Ouais, on est quand même sur plus de 100 000 euros quand même hein, par saison C'est évidemment, ça, ouais. mais c'est voilà, on est là et puis hâte de voir ce que tu vas donner sur la piste, hâte de voir Lucas, j'ai hâte de te revoir du coup sur la piste aussi, voir ce que tu vas donner parce que je suis convaincu que tu vas réussir à performer très fort assez vite aussi, donc ça va être très très intéressant. Merci à vous d'avoir été avec nous. Le prochain rendez-vous de NASCAR Winner Series, donc la première course, c'est quelle date? J'ai le planning sous les yeux. 13, 15 mai à Valencia. À Valence en plus, un très beau circuit en Espagne. Et bah, en tout cas, ravi. Et puis, je vous dis à tous, hein, merci d'avoir été avec nous pour cette petite interview de 2 heures quand même. Moi, j'ai plus de voix, il va falloir que j'aille tousser un bon coup et boire un coup. Et puis, ça se passe bien. Bah, merci à vous, les amis. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée. Et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine interview, prochain débrief. Merci encore, Paul. Merci, Lucas. Merci à tous et à très bientôt. Ciao. Ciao. Merci.